Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage tout à fait curieux et fascinant, un personnage secret à bien des égards, peu connu du grand public, mais qui fait néanmoins l'admiration de nombreux médiévistes, à savoir Ernst Kantorowicz. Quelqu'un comme Jacques Le Goff, par exemple, tenait sa biographie de Frédéric II comme un exemple à suivre dans la manière d'écrire une biographie problématisée d'un grand homme. D'autres historiens ou intellectuels contemporains ont écrit des recensions admiratives de ses travaux, comme Emmanuel Leroy-Ladurie ou Marcel Gauchet, par exemple. Et pourtant, malgré l'admiration qu'il suscite, Kantorowicz n'en est pas moins une personnalité sulfureuse dont l'œuvre nourrit de nombreux débats polémiques. Ernst Kantorowicz fut à la fois, en effet, une figure importante de la révolution conservatrice allemande et l'un des plus grands historiens du XXe siècle. Et c'est sous ce double rapport que j'aimerais examiner sa figure aujourd'hui dans cette émission. Alors pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Guillaume Travers sur ma chaîne, qui vient de publier aux éditions Pardès un petit Qui suis-je consacré à Ernst Kantorowicz, un petit livre remarquable qui constitue une excellente porte d'entrée pour découvrir cet auteur. Guillaume Travers, bonjour, merci d'avoir accepté cette Bonjour. invitation. Ben merci à toi. Alors tu commences à être un habitué de la chaîne, hein. La dernière fois, je t'avais invité pour parler de Werner Sombart, auquel tu avais consacré également un Qui suis-je aux éditions Pardès. Nous avions également réalisé un entretien sur mon espace privé pour parler de tes travaux sur la question écologique contemporaine. Alors, Guillaume, pourrais-tu néanmoins te présenter très brièvement pour les auditeurs qui te découvriraient aujourd'hui pour la première fois? Tout à fait. Alors moi, je suis principalement enseignant et chercheur notamment en économie et en histoire économique, et puis également collaborateur à la revue Éléments depuis de très nombreuses années, revue dans laquelle j'écris principalement sur des sujets d'économie et d'écologie, et parfois sur d'autres sujets. Et puis j'ai déjà publié un certain nombre de petits ouvrages, soit pour l'Institut Iliade, soit effectivement à la Nouvelle Librairie, soit aux éditions Pardès, donc des Qui suis-je, notamment sur Werner Sombart, effectivement. Et tu avais également dirigé les deux volumes de la Bibliothèque du Jeune Européen avec Alain de Benoît. Tout à fait également aux éditions du Rocher. Tout à fait. Et en plus de cela, tu peux en dire un petit mot, tu as aussi fondé un think tank qui s'appelle Le Champ commun. Je Oui, pense qu'il qui te. vise à produire des travaux sur donc, tout ce qui touche à la question des biens communs ou des rapports entre la communauté et le modèle de société, le modèle écologique, le modèle économique, pour à la fois avoir une réflexion de fond sur ces sujets-là et en même temps avoir des propositions beaucoup plus concrètes et pratiques qui peuvent être éventuellement défendues publiquement auprès de décideurs, auprès de médias, etc. D'accord, très bien. Alors, question inaugurale, hein, pour commencer cette émission sur Kantorowicz. N'allons pas perdre de temps et entrer directement dans le cœur du sujet. Mais première question, pourquoi t'être intéressé à Kantorowicz justement? Alors, par ta formation en économie, ton intérêt pour Werner Sombart paraissait plus naturel, si je puis dire. Il s'agit en effet d'un auteur qui consonne très largement avec le thème de nombre de tes travaux. Tu as mentionné tes petits livres pour l'Institut Iliade. J'en profite pour en citer les titres: Corporation et corporatisme, Capitalisme moderne et société de marché, Économie médiévale et société féodale. Tu avais également publié à la Nouvelle Librairie Pourquoi tant d'inégalités? Pourtant, si ce n'est son insertion dans le même monde intellectuel allemand que Sombart, Kantorowicz, lui, est un auteur sensiblement différent. Il est auteur d'une monumentale biographie de Frédéric II de Hohenstaufen, ainsi que d'un non moins monumental ouvrage de théologie politique, Les deux corps du roi. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour ce personnage? Alors c'est effectivement une question très, très, très bonne et un très long cheminement en fait qui m'a amené à de très nombreuses reprises vers Kantorowicz sans que pendant longtemps je n'aille vraiment au fond des choses et c'est plus récemment que j'y suis allé. Et il y a en fait une raison de continuité. Dans mes travaux d'économie, évidemment, Sombart m'a beaucoup éclairé sur l'histoire du capitalisme. Et il y a une question qui m'intéresse depuis des années et des années, qui touche à l'histoire de l'entreprise et notamment à un trait très particulier de l'histoire du capitalisme ou de l'entreprise capitaliste, qui est la personnalité des entreprises, la personnalité morale des entreprises. L'idée que, par exemple, une entreprise soit une personne juridique au sens propre et qui a une existence indépendamment de toute personne particulière. Aujourd'hui, Total ou
Facebook ou l'entreprise que vous voulez existe indépendamment de son patron, indépendamment de ses salariés, indépendamment de ses actionnaires. C'est une personne au sens juridique, autonome. Et ça, je crois, c'est un des traits fondamentaux du capitalisme. Or, il se trouve que quand on retrace l'histoire de cette personnalité morale, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est très ancien, c'est quelque chose qui apparaît progressivement au fil des siècles. La pensée antique, comme la pensée médiévale, ignorait complètement la personnalité morale des entreprises. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut en fait voir que ça vient de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est qu'à un moment donné, on s'est mis à penser l'État lui-même comme une personnalité morale. L'État comme ayant comme structure, on va dire, bureaucratique et administrative, ayant une existence indépendante également des personnes, structure donc impersonnelle, indépendante des personnes, des communautés, des peuples peut-être même, on en reparlera. Et le grand historien de cela, c'est Kantorowicz. Kantorowicz montre bien que la manière profondément moderne, même si elle naît au Moyen-Âge, de penser l'État, eh bien, c'est un État qui devient impersonnel, qui devient un corps autonome, et on retrouve là évidemment le titre des Deux corps du roi, qui est son plus grand livre. Et donc en fait, c'est en creusant cette question de manière très profonde et très presque généalogique de la personnalité des entreprises que celle-ci naît en fait dérive de la personnalité des États, et donc il a fallu remonter jusqu'à ce point-là et jusqu'à cette œuvre très fondamentale de Kantorowicz pour essayer de mieux comprendre cela. Et en fait, ce que je n'anticipais pas complètement à l'époque, eh bien, d'un auteur, Sombart, qui est peut-être le grand historien, en tout cas le premier grand historien du capitalisme, je suis passé au très grand historien de l'État, qui est Kantorowicz. Mais en fait, les liens entre les deux sont beaucoup plus subtils qu'on pourrait le croire si on ne voit pas ce cheminement. Très intéressant. Donc, il y a vraiment une continuité dans ton intérêt pour Kantorowicz et pour Werner Sombart. Et j'ajouterais également que j'ai écrit un petit livre sur les corporations dans les collections de l'Institut Iliade. Ce thème des corporations, dans la pensée médiévale, il y a l'idée que certaines communautés ont une existence, ont un corps propre, ont une existence propre, à nouveau indépendante des membres particuliers qui la peuple. Si on pense à un monastère ou à une université médiévale, eh bien le monastère ou l'université, pensés comme corporation ou tel corps de métier évidemment, ont une existence propre qui dure, quand bien même le monastère dure, quand bien même chacun des moines est mort, etc. Et donc la succession des générations ne touche pas l'existence d'un corps supérieur qui est cette corporation ou qui est ce corps de métier, etc. Et tout cela mène progressivement à une manière très différente de penser les institutions, qui est le corps de l'État moderne sur lequel on va revenir. Oui, tout à fait. Nous allons revenir sur ce point en détail. Alors, je propose que nous commencions par le commencement, pour découvrir cette figure, car en effet, Kantorowicz est très peu connu de nos jours du grand public. Comme je l'ai dit, il est principalement connu en fait de médiévistes aujourd'hui. Moi-même, je dois avouer que je ne connaissais Kantorowicz que de nom avant de lire cette remarquable introduction que tu as écrite. Alors, il me semble intéressant de faire un point biographique sur l'homme afin de replacer son œuvre dans le contexte intellectuel de l'époque. J'ai dit qu'il s'insérait dans le contexte allemand du début du XXe siècle, avec la fameuse révolution conservatrice allemande. Et pourtant, c'est un Allemand un peu atypique, si je puis dire, car il est né à Poznan, donc dans l'actuelle Pologne, à Posen à l'époque, en Prusse, et il était d'origine juive. Est-ce que tu pourrais nous parler de ses origines précisément et de ses premières années ? Très bien. Donc, il naît donc en 1895, donc vraiment à la toute fin du 19e siècle. Il aura donc 19 ans en 14, hein, et il combattra évidemment pendant la Première Guerre mondiale. Et il naît dans une famille relativement aisée, ce qui d'ailleurs aura une conséquence très, très profonde pour lui et très durable pour lui, qui est que jusque dans les années 30, il n'aura pas besoin réellement de travailler.
parce que eh bien, les revenus d'entreprise familiale le feront vivre, et ce qui fait qu'il pourra consacrer énormément de temps, d'abord aux études, et puis à la production de son premier chef-d'œuvre, sa biographie de Frédéric II, qui paraîtra en 1927. Et donc, il grandit, comme tu l'as rappelé, dans une famille juive, mais qui, en tout cas, lui, ne pratiquera jamais la religion, n'aura pas de sentiment religieux particulier. Il a une connaissance purement culturelle du judaïsme. Certains dans sa famille sont un peu plus pratiquants, mais lui ne l'est pas du tout. Et même à l'inverse, il est très imprégné de sentiments prussiens, pour une raison probablement assez simple, en tout cas une raison parmi d'autres, qui est donc, comme tu l'as rappelé, il naît dans une ville qui aujourd'hui est en Pologne, Poznan, qui à l'époque est à majorité polonaise, du point de vue du peuplement, et les Allemands de Poznan sont beaucoup moins nombreux. Et en fait, les Polonais de peuplement étant plutôt plus hostiles vis-à-vis du judaïsme, eh bien, la famille Kantorowicz se trouve plutôt proche du côté prussien-allemand, et Kantorowicz, très tôt, fera montre de sentiments nationalistes prussiens, le goût pour les très hautes valeurs prussiennes dont beaucoup d'auteurs ont parlé, et tout ça l'imprégnera beaucoup, et on le verra pendant la Première Guerre mondiale être à la fois un combattant très valeureux, après la Première Guerre mondiale s'engager avec ferveur dans les corps francs, donc nationalistes, etc., et tenir à l'époque des propos très forts sur l'Allemagne, les valeurs prussiennes, les sentiments nationaux, etc. Oui, car quand il rejoint les corps francs, il s'engage principalement au départ pour lutter contre l'insurrection des indépendantistes polonais à Poznan. Alors, effectivement, il y a trois phases assez inégales. Et en fait, relativement méconnu, on a quelques éléments, mais assez peu finalement, puisque Kantorowicz, après, est peu revenu sur ces événements-là. Mais on sait qu'il s'est engagé après la guerre, donc au moment où, évidemment, l'Allemagne, il faut relire le livre de Dominique Venner sur les corps francs pour réaliser l'état de décrépitude, de décadence, de délitement dans lequel est l'Allemagne juste après la défaite de 1918, où il n'y a quasiment plus d'État, où il n'y a plus du tout d'autorité, où évidemment l'empereur Guillaume II abdique. Et donc on passe d'un régime impérial qui était quand même très glorieux, ininterrompu depuis fort longtemps, à une situation d'extrême faiblesse du pouvoir, dans laquelle donc notamment, on est évidemment aussi au lendemain de la révolution bolchevique en Russie, les communistes allemands, donc qu'on appelle les spartakistes, se révoltent dans tout le pays, prennent certaines municipalités, organisent des conseils spartakistes dans tout un tas de villes du pays. Et face à cela, face à à la fois le sentiment d'extrême désordre, d'extrême affaiblissement, se dressent des corps francs, donc d'anciens militaires essentiellement, qui vont lutter pour essayer D'ailleurs, comme le dit von Salomon, il ne savait pas trop pourquoi il se battait, mais il savait contre quoi il se battait. Et contre ce sentiment de désordre, de délitement. Et donc, Kantorowicz va se battre d'abord à Poznan contre les Polonais qui veulent reprendre la ville. Et puis après, un petit peu à Berlin, où, semble-t-il, il tient un peu quelques barricades, etc. Et puis plus sérieusement à Munich, où très probablement, il a lui-même tiré et tué sur les barricades contre les Spartakistes à Munich. Oui, lors de la fameuse République des Conseils de Bavière, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Et alors, comment se passent ensuite ces années après son engagement dans les corps francs? Alors, bon, il reprend des études. Il avait évidemment déjà suivi des études très classiques, mais sans se faire spécialement remarquer pour son talent. C'est quelqu'un, je crois qu'aussi, qui a eu un esprit toujours extrêmement libre. Et ça, on le voit par mille signes quand on lit sa biographie. Donc, il avait certaines pesanteurs, peut-être, du système allemand. Lui allait assez mal, l'idée d'apprendre par cœur des choses, etc., lui allait assez mal. Donc, il n'avait pas forcément été un très bon élève au sens scolaire
pendant ses études, mais il en sort quand même avec une connaissance très bonne des langues, etc. Et donc après cet épisode des corps francs, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc il est dans sa... il a 20 et quelques années. Au tout début, il commence à étudier notamment l'économie, ou en tout cas les sciences économiques, avec initialement dans l'idée qu'il reprendra un jour la distillerie familiale. Donc il reste pendant encore quelques années très imprégné par l'idée qu'il faudra reprendre les affaires de la famille. D'ailleurs, il a à l'époque son Barthes comme professeur pendant un semestre, je crois. Et puis en fait, très vite, il va, en tout cas quasiment à chaque semestre, il prend des cours un peu à droite à gauche en histoire, en philosophie, en histoire des idées. Et en fait, très vite, il va dévier vers l'histoire. Donc c'est très paradoxal parce qu'en fait, il a pas, il va s'imposer plus tard comme un des plus grands médiévistes, peut-être le plus grand selon certains du XXe siècle, mais il n'a pas rigoureusement de formation en histoire. Il a suivi des cours d'histoire à droite à gauche, mais il n'a pas suivi un cursus plein en histoire. Très vite, il va étudier beaucoup de choses, s'intéresser beaucoup aux langues anciennes. À la toute fin de la guerre, il s'est intéressé, en fait, il a été envoyé en Turquie pendant la dernière année de la guerre après avoir été blessé, où il a commencé à beaucoup s'intéresser au monde byzantin et au contraste, on va dire, entre l'Orient et l'Occident. Et il tirera de ses intérêts sa thèse qui portera, une petite thèse qui portera sur les confréries d'artisans, enfin l'équivalent des corporations, mais justement dont il montre bien qu'elles sont très différentes des corporations européennes dans le monde musulman. Et puis, c'est pendant ses études qu'il va probablement se passer un moment assez décisif. Dans le système universitaire allemand de l'époque, il y avait une pratique très répandue du séminaire privé, où certains professeurs organisaient parfois chez eux des séminaires privés, où ils prenaient quelques étudiants un peu triés sur le volet et les entretenaient de sujets. Et éventuellement, les étudiants présentaient des exposés, et puis le professeur, en petit comité, commentait, etc. Et dans le cadre d'un de ces séminaires, il va être amené à faire un bref exposé sur un sujet très technique, qui était les acclamations liturgiques chez Alexandre. De ce sujet très, très technique, en fait, son professeur l'encouragera à poursuivre. Et on voit déjà à l'époque naître certains des grands thèmes qui naîtront par la suite, donc en tout cas qui s'épanouiront par la suite, sur la royauté sacrée, sur la théologie politique, sur les rapports du spirituel et du temporel, du religieux et du politique, sur toutes les cérémonies qui accompagnent la mise en scène du pouvoir royal, du pouvoir politique. Et donc on peut peut-être retracer ici la naissance de ces thèmes-là. Et puis évidemment, en parallèle de ses études, il va fréquenter quelque chose qui va avoir une importance capitale pour lui, qui est le cercle de Stéphane Georg, dont on va, j'imagine, reparler. Oui, tout à fait. Simplement, avant de parler de ce cercle de Stéphane Georg, une petite question me vient. Pourquoi Kantorowicz est-il à ce point intéressé au monde médiéval ou au monde ancien? Alors, tu as cité des études byzantines, tu as parlé des acclamations sous Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui a fait son intérêt pour cette époque si reculée? Alors, c'est évidemment difficile à dire. Néanmoins, je crois que un élément de réponse, qui d'ailleurs ne touche pas spécifiquement à Kantorowicz, mais qui touche réellement à son époque, est le suivant. Évidemment, l'Allemagne, dans le dernier tiers du 19e siècle, s'est considérablement modernisée, urbanisée, industrialisée, et énormément d'auteurs de l'époque ont le sentiment que quelque chose en Allemagne se perd. C'est le cas évidemment chez beaucoup d'auteurs de la Révolution conservatrice, chez des gens comme Spengler et comme beaucoup d'autres, ont le sentiment, comme Tönnies aussi, qui est moins associé directement à ce mouvement-là, et vont chercher par contraste avec ce monde moderne dont ils perçoivent que c'est un monde désenchanté, un monde qui perd la communauté, qui perd
une certaine esthétique, eh bien, vont voir dans le monde médiéval une sorte de recours à quelque chose de plus poétique, de plus enraciné, de plus charnel, qui va au-delà des seules valeurs matérielles. Et donc, il y a un intérêt assez considérable dans tout le monde intellectuel du début du XXe siècle en Allemagne, pour le Moyen-Âge, vu un peu comme recours, et il y a d'ailleurs plusieurs livres à l'époque qui paraissent sur le thème du nouveau Moyen-Âge, et comment est-ce que le Moyen-Âge peut offrir des ressources pour justement penser à nouveau frais, ou peut-être dépasser certains traits extrêmement froids, extrêmement matériels, extrêmement peu séduisants de la modernité. Et je crois que Kantorowicz, comme d'ailleurs tout le cercle de Georg, est très intéressé par tout cela. Le monde moderne l'intéresse finalement assez peu. C'est quelque chose en marge duquel il a finalement toujours un petit peu été. Se tourner vers le Moyen-Âge, c'est aussi un moyen de pénétrer un monde extrêmement différent. D'accord, je vois. Donc c'est presque pour prendre une figure de contraste par rapport au monde moderne. Je crois que c'est en tout cas un des aspects qui est central. Après, il y a sûrement aussi évidemment des raisons propres à Kantorowicz lui-même. C'est vrai qu'il s'est toujours beaucoup intéressé à l'histoire, mais ça s'inscrit dans un contexte qui est très propice à cela, je crois. D'accord. Alors, donc un élément déterminant dans la carrière intellectuelle de Kantorowicz sera sa rencontre avec le poète Stefan Georg et son cercle, comme tu viens de le mentionner. Si Kantorowicz est peu connu de nos jours, je pense que Stefan Georg l'est encore plus aujourd'hui, surtout dans le monde francophone. Mais il s'agissait véritablement d'un poète incontournable en Allemagne à l'époque, dont l'influence est désormais difficilement imaginable. Stefan Georg croyait dans le pouvoir régénérateur de la poésie, comme tu le rappelles dans ton ouvrage. Pourrais-tu revenir sur ce phénomène mystérieux et passionnant que constitua ce cercle qui s'est formé autour de cette figure? Pourquoi fut-il si important pour Kantorowicz? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on n'arrive absolument pas à imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, si tant est que certaines personnes écrivent encore de la poésie, au mieux, on les considère comme étant très marginales et on n'imagine absolument pas qu'une œuvre poétique aujourd'hui puisse avoir le moindre impact politique direct. Bon. Mais à l'époque, évidemment, les choses sont toutes différentes et Stefan Georg est peut-être le grand poète, en tout cas un des très grands poètes allemands de l'époque. Et il a, au-delà de son œuvre poétique, qui est très considérable, un caractère personnel tout à fait fascinant, qui en tout cas va fasciner beaucoup de personnes, qui vont former autour de lui, à partir, donc Georg mourra au début des années 30, et depuis la fin du 19e siècle, il anime une revue qui s'appelle les Feuillets pour l'art, en français, Blätter für die Kunst, et progressivement agrège autour de lui tout un tas de personnes très diverses, mais toutes de très haut niveau, d'esprit très élevé, qui vont être à la fois fascinées par lui. Georg a un côté extrêmement secret, c'est quelqu'un qui se montre très peu, c'est quelqu'un qui n'a aucun lieu de résidence fixe, qui est toujours en mouvement, donc on ne sait jamais vraiment où il est. Il va d'une ville à l'autre, d'un hôtel à l'autre, et qui produit sa poésie, qui distille sa poésie d'abord auprès de ses disciples, qui souvent l'appellent le maître, Meister, qui impose à ses disciples une graphie particulière, une manière d'écrire particulière quand ils écrivent à la main, tout un cérémoniel particulier. Et puis évidemment, sa poésie est ensuite diffusée plus largement ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui d'abord fonctionne par cercle concentrique et qui a l'idée qu'il y a, si l'on veut, comme il l'appelle, une Allemagne secrète qui est une sorte d'union des esprits supérieurs de l'Allemagne qui se perpétuerait à travers le temps long, à travers les siècles, et que évidemment tout ça doit se lire en grande partie à l'aune de la défaite de 1918 pour l'Allemagne. Avant 1918, l'œuvre de Georg est plus strictement poétique, et elle devient un peu plus politique après. En 1918-19, évidemment, l'Allemagne est perdante,
le désordre est partout, le deuxième Reich, le deuxième empire a pris, est arrivé à son terme, l'empereur a abdiqué, donc un état d'abaissement extrêmement fort, et se pose la question de savoir quelle forme de continuité il peut rester avec le passé, quelle forme de renaissance il peut y avoir, comment est-ce qu'il faut se comporter et qu'est-ce qui peut meubler ce que certains appellent l'interrègne, en attendant justement que ce qui est le plus profond en Allemagne reprenne, ressurgisse un jour. Et donc, Georg pense que c'est la poésie, l'appel à de très grands hommes qui peuvent toujours inspirer un esprit très haut, des vers très hauts, et qui un jour permettront une résurgence. Et donc, dans ce cercle, on trouve, quand je le décris comme ça, on pourrait croire à une secte un peu de fous furieux. En fait, il y a des hommes d'un talent absolument considérable. Il y a évidemment quelqu'un comme Kantorowicz, il y a quelqu'un comme, pareil, est peu connu aujourd'hui, comme Friedrich Gundolf, qui est peut-être le plus grand critique littéraire de l'époque. Il y a les frères Stauffenberg, qui s'illustreront un peu plus tard par les attentats manqués contre Hitler. Il y a encore quantité de très grands auteurs. Un autre auteur très important, mais aujourd'hui, hein, même s'il est traduit, un peu négligé, qui est Ernst Bertram, qui est un des grands, qui écrit un livre absolument prodigieux sur Nietzsche, enfin, peut-être le premier très grand livre sur Nietzsche, sur la mythologie nietzschéenne, et puis d'autres encore. Donc Il c'est y a vraiment un également cercle. des personnages comme Ludwig Klages aussi ou Hugo von Hofmannsthal. Tout à fait. L'un et l'autre qu'ils fréquentent à un moment donné, et puis qui après s'en sépareront plus ou moins, ou seront un petit peu moins au cœur, mais qui sont évidemment tous deux extrêmement importants. Donc c'est un cercle dans lequel Cantorowicz va se trouver plongé très, très jeune et très vite, et nouer très vite une relation donc avec Stéphane Georg, qui va lui inspirer son premier chef-d'œuvre, donc sa biographie de Frédéric II. Oui, pour revenir simplement sur ce cercle, sur cet esprit élitiste en quelque sorte qui anime ce cercle, est-ce que la volonté de Stefan Georg est précisément de former une élite intellectuelle sur le temps long? Alors, probablement en partie, c'est évidemment très très difficile. Il y a de gros débats pour savoir quelle était la nature exacte de ce cercle. Par exemple, est-ce que le cercle aurait pu durer après Georg, ou est-ce que c'était purement centré sur la personne de Georg? Dans les faits, c'était en grande partie centré sur Georg, et beaucoup des membres du cercle ont continué à se voir parfois après, mais le cercle n'a plus existé en tant que tel. Donc, je pense qu'il y avait un mélange de côté politique qui a réellement décollé après la défaite de 1918, et une fascination poétique et esthétique qui avait peut-être moins la vocation à s'ancrer dans la durée parce qu'elle était plus strictement liée à la personne de Georg lui-même. Donc il y a un peu des deux, et je pense que la dimension relative du poétique et du politique a changé au fil du temps. D'abord, c'était strictement poétique, et puis c'est devenu plus politique par la suite. D'accord. Alors, tu notes dans ton livre que ce cercle a exercé une très grande influence sur Kantorowicz par sa critique de l'historisme en particulier. Que faut-il entendre par là? Alors, effectivement, dans tout le cercle, Georg lui-même, et puis Kantorowicz, et puis beaucoup d'autres, était très inspiré de la pensée de Nietzsche. Et il y a un texte notamment a eu une très grande influence sur tous ces gens-là, c'est la deuxième considération inactuelle de Nietzsche, qui est un très bref texte dans lequel Nietzsche parle de l'histoire et de ce à quoi l'histoire peut et doit servir, ou à ce qu'elle peut être, à ce qu'elle doit être. Et Nietzsche dit en substance la chose suivante, il dit le 19e siècle, donc évidemment à l'époque où vit Nietzsche, veut faire de l'histoire une science presque au sens d'une science physique ou naturelle. C'est-à-dire qu'on veut prendre des documents d'archives qu'on pense comme des données objectives et on veut les analyser scientifiquement, froidement, pour ne leur faire dire que ce qu'ils peuvent dire de la manière la plus méthodologiquement rigoureuse, froide, abstraite, etc. Bon. Et donc, entre guillemets, il faut se débarrasser des grands récits, des grands mythes,
du côté vivant de l'histoire pour ne plus voir la matière historique comme étant sujette à une analyse purement, purement scientifique au sens physique du terme. Voilà. C'est la fameuse critique des sources de Leopold von Ranke, par exemple. Exactement, exactement. En tout cas, le premier Ranke, tout à fait. Et Nietzsche dit finalement, quand on ne voit l'histoire que comme cela, eh bien, on se condamne à faire de l'histoire un matériau froid, un matériau extérieur à nous. Et la vraie histoire, si elle peut servir à quelque chose, c'est pas du tout à cela. Si elle peut nous inspirer quelque chose, c'est parce qu'on la comprend intérieurement et non pas extérieurement. Et donc, pour comprendre intérieurement l'histoire, il ne faut pas s'arrêter à cette dissection presque anatomique de la moindre source, mais essayer de la saisir dans son ensemble avec ce qu'elle peut avoir à nouveau, peut-être de poétique, peut-être d'esthétique, en tout cas de chaud, de vivant, d'intérieur, et que ça ne se réduit pas à la pure dissection historique. Bon, je vais donner un exemple très précis, qui est le mien, et je reprends dans le livre, mais je crois permet bien d'illustrer tout cela. On pourrait imaginer un historien moderne, spécialiste d'histoire militaire, et qui connaîtrait des milliers et des milliers de faits objectifs, factuels, dirions-nous, sur la guerre, mais qui, n'ayant jamais fait la guerre et n'ayant jamais eu aucun sentiment de ce que peut être une guerre, ne comprendrait en fait absolument rien à ce qu'est la guerre. Il pourrait connaître énormément de faits particuliers, mais n'ayant jamais vécu intérieurement la guerre, il serait incapable de comprendre profondément pourquoi les hommes agissent tels qu'ils le font pendant la guerre, de comprendre, comme dirait Junger, que la guerre est aussi une expérience intérieure. Et donc, si on veut comprendre le mouvement des hommes dans l'histoire, il faut aussi voir intérieurement ce qui les meut, quelles sont les représentations, les mythologies, les croyances, peut-être complètement farfelues, complètement fausses, peu importe, mais en tout cas, ce qui peut les mouvoir dans les périodes de guerre. Et donc, Nietzsche appelle à cette compréhension intérieure de l'histoire, et une implication de cela qui va être très importante pour Georg, pour son cercle et pour Kantorowicz, c'est l'idée que l'histoire doit notamment fournir des modèles. Bon. Évidemment, si l'histoire n'est qu'un matériau froid et passé, elle nous dit finalement rien sur aujourd'hui ou sur l'avenir. Et à l'inverse, si on est avec Nietzsche dans une histoire vécue intérieurement, eh bien, l'histoire peut nous donner des modèles, nous inspirer des représentations, des sentiments, des mythologies, des mythes, presque au sens sorélien, et c'est un des rôles que Nietzsche assigne à l'histoire, et c'est un des rôles que le cercle de Georg, ou en tout cas que Georg va assigner à ses disciples, en leur disant, pour faire simple, écrivez de très grandes biographies qui ne soient pas purement scientifiques au sens extérieur, mais qui soient vivantes et qui puissent inspirer de nouveaux héros à l'Allemagne ou à l'Europe, en tout cas principalement à l'Allemagne, évidemment dans l'Allemagne de la défaite, dans une Allemagne complètement avachie, accroupie après la défaite de 1918. Et donc on a dans ce cercle de Georg, sur une période qui couvre en gros les années 20, un grand nombre de très très grandes biographies qui paraissent publié par quasiment tous les membres du cercle, sur César, sur Shakespeare, sur quantité d'autres grands hommes de l'époque. Et donc, effectivement, le grand homme de Kantorowicz, eh bien, ce sera Frédéric de Hohenstaufen, et probablement de tous les textes parus dans cette mouvance, de ces grandes biographies dans le cercle de Georg, celle de Kantorowicz sera probablement le texte le plus fascinant, le plus prodigieux, mais beaucoup d'autres restent très importants. Le Nietzsche de Bertram ou le César de Gundolf sont très importants également. Oui, dans ton livre, tu cites d'ailleurs la première page du César de Gundolf, qui, selon toi, représente en fait toute cette idée, toute cette mythologie du grand homme. Je pense que ce serait intéressant d'ailleurs qu'on la cite pour les auditeurs. Si tu me permets, je vais citer ce passage. Bien donc, sûr. Gundolf écrit ceci donc, dans sa biographie sur César. Notre époque appelle à grands cris l'homme de poigne. Lasse des gloseurs et des bavards, elle prend des adjudants pour des conducteurs d'hommes.
On voit l'Allemagne confier ses destins à tout talent un peu voyant, militaire, économique, écrivassier, fonctionnaire, et prendre pour des hommes d'État des pasteurs drapés d'idées sociales, des généraux insociables, des géants de la poche garnie ou de la fabrique, ou de petits bourgeois rageurs. On voudrait, à ces étourdis, rappeler la figure du grand homme qui, par les siècles, a donné à la puissance suprême son idéologie et son nom. Non qu'on espère, évoquant sa figure, faire renaître un César, l'histoire ne renouvelle jamais dans leur apparition charnelle des idées identiques au cours des temps, jamais la connaissance du passé n'a suggéré ce qui est devenu pour le présent nécessaire. L'imitation par érudition politique est une erreur et n'a jamais donné naissance à rien. Comment sera fait demain le nouveau maître, le Messie? On le saura quand il sera là. Lui seul connaît son heure et son œuvre. On peut cependant savoir ce qu'il ne sera pas. Et si les figures éternelles de l'histoire doivent rester vivantes, ce n'est pas pour l'utilisation politique qu'on en fera, mais pour que reste la culture, la dignité de l'homme, le respect, grandes images qu'il nous faut protéger contre les sollicitations d'un quotidien étouffant et âpre. L'historien est, avant toute chose, gardien de la culture. Il ne peut faire de bonne politique. Il ne peut prendre les décisions fécondes parmi les flux des destins d'heure en heure. Mais il peut faire palpiter l'atmosphère dans laquelle des actes mûris prendront forme et rassembler le cortège à venir des esprits pour les héros qui se préparent. En ce sens, il appelle à nous les forces de l'histoire, les corps ressuscités, les peuples et leurs chefs. Une page véritablement magnifique qui consonne avec tout ce que tu as dit justement sur cette mythologie du grand homme, je pense. Oui, tout à fait, qui montre très bien tout le projet qui a animé tout ce groupe-là, qui évidemment a été très mal comprise après-guerre, puisqu'évidemment, là, on est dans les années 20, quand Gundolf écrit cela ou quand Kantorowicz écrit plus ou moins la même chose en introduction du Frédéric II, introduction d'ailleurs en partie transformée ou censurée dans l'édition française, il ne pense absolument pas à Hitler. Effectivement, quand on a un appel au nouvel empereur en 1920, il est impossible de savoir ce qui sortira en 1933. Mais évidemment, beaucoup de contresens ont été faits au sujet de ces textes après-guerre, quand probablement ce que ces auteurs avaient en tête était quelque chose de bien différent. Évidemment, il s'agissait justement, dans le contexte d'extrême délitement de la République de Weimar, de retrouver des formes de grandeur, de haute valeur qui avaient temporairement disparu. Et un des thèmes qu'on verra d'ailleurs beaucoup dans le Frédéric II de Kantorowicz, c'est le thème de l'empereur caché. L'idée de se dire qu'une continuité a été rompue avec la défaite et avec la fin du Deuxième Reich, mais que d'autres formes de continuité plus secrètes, plus cachées, l'Allemagne secrète précisément, peuvent continuer et seront amenées à restaurer un jour ce qui a toujours été finalement. Oui, et que voulais-tu dire quand tu dis que l'édition française a quelque peu modifié l'introduction de Kantorowicz ? Il y avait quelques phrases sur, que je n'ai pas exactement en tête de mémoire, mais sur les temps sans empereur, il a une phrase où il dit « nous vivons une époque sans empereur et il y a un besoin d'un nouvel empereur et ces phrases-là ont été édulcorées, voire complètement supprimées dans la traduction française. » D'accord, je vois. Ça concerne quelques phrases, hein. C'est pas le reste du texte est très bien traduit, etc. Mais ça concerne quelques phrases un peu moins explicites que chez Gundolf, mais qui néanmoins n'ont pas été traduites à l'identique dans la version française. Est-ce que la traduction française en général, pas seulement de l'introduction, mais du texte en entier, altère cette dimension mythique, mythologique qu'on retrouverait dans le texte originel ? Non, je crois que la traduction est vraiment très bonne. En tout cas, se lit avec une. Il y a sous la plume de Kantorowicz une fougue, une dynamique. Il faut dire que c'est à la fois un très bon livre d'histoire, on le dira certainement, mais Kantorowicz a battu pour écrire ce livre un travail absolument considérable pendant des années. Absolument incroyables qui ne sont pas cités dans l'édition, dans la première édition, qui n'a pas de note de bas de page,
mais qui publiera plus tard pour répondre aux attaques dans un volume entier consacré aux sources et qui, pendant tout le siècle, est resté un volume de référence pour accéder aux manuscrits médiévaux, savoir où se trouvaient les manuscrits médiévaux, ceux qui s'y trouvaient dans quasiment tous les domaines, dans les domaines liturgiques, juridiques, historiques, religieux, etc., presque numismatiques, enfin vraiment couvrant un nombre de domaines absolument considérable. Donc il y a cette dimension à la fois scientifique et en même temps, c'est un très très grand livre littéraire, il y a une plume absolument superbe de Kantorowicz, ça peut se lire vraiment comme un roman presque. Il y a des scènes absolument prodigieuses, les scènes du couronnement de l'empereur, les scènes des excommunications, les scènes etc. Et tout cela est très bien rendu dans la traduction française qui peut tout à fait être lu sans aucun problème de ce point de vue-là. Oui, je confirme que la lecture est véritablement passionnante de cet ouvrage. Et c'est un livre que les auditeurs peuvent lire, même s'ils sont néophytes, même s'ils n'ont pas de grandes connaissances en histoire, s'ils n'ont pas de grandes connaissances philosophiques, contrairement au second grand ouvrage de Kantorowicz sur les deux corps du roi, qui lui est nettement moins accessible. Tout à fait. Ah, on peut effectivement lire les Frédéric II comme, presque comme un roman, sans ne rien connaître de l'époque et presque uniquement pour le style et la vigueur de la plume qui est absolument, absolument prodigieuse. Oui, oui, oui. Donc, le grand tome de Kantorowicz, si je puis dire, c'est l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen et le livre qu'il lui a consacré a véritablement fait date. Mais avant de nous pencher sur le livre en lui-même, peut-être disons quelques mots de Frédéric de lui-même pour que les éditeurs puissent bien le situer historiquement. Qui était-il? Dans quelle époque a-t-il vécu? Et pourquoi est-ce que cette figure en particulier a attiré le choix de Kantorowicz? Alors, on est au plein cœur du XIIIe siècle. C'est une figure évidemment très, très complexe, mais qui, alors j'ai déjà rappelé le contexte général d'intérêt pour le Moyen-Âge qui baigne le cercle de Georg et plus généralement de très nombreux milieux intellectuels dans les années 20, à l'époque donc, où Kantorowicz travaille sur ce livre. Et Frédéric II va être réellement à la confluence de beaucoup de thèmes qui intéressent Georg et son cercle, et évidemment Kantorowicz. Je vais en citer quelques-uns. Un premier thème, c'est celui de l'empereur caché ou de l'interrègne, ou en tout cas du nouvel empereur qui peut émerger quasiment de nulle part pour réaliser des choses extrêmement grandes, qui est évidemment un besoin très fort l'état de déréliction de la République de Weimar. Frédéric II naît en Sicile. Alors évidemment, il n'est pas de nulle part, il est le petit-fils de Barberousse, mais il naît à une époque extrêmement excentrée par rapport à l'Empire, au Saint-Empire romain germanique, grandit en marge d'absolument tout, en marge de la papauté, était tout le destiné à être un empereur extrêmement faible. Et en fait, il va être un empereur extrêmement puissant, extrêmement créateur. Et autre trait qui va beaucoup intéresser Georg et Kantorowicz, qui va être un empereur qui va unifier, si l'on veut, le nord et le sud de l'Europe. C'est un empereur qui va être issu de Sicile, donc qui va être baigné de tout l'héritage antique et de la culture romaine, et qui en même temps sera aussi empereur du Saint-Empire romain germanique, donc qui unit effectivement à la fois le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. À une époque où il y a également en Allemagne, et j'en fais état très brièvement à la fin du livre, de très grands débats entre deux écoles de pensée en Allemagne à l'époque, les germanistes et les romanistes. Certains, pour faire simple, disent eh bien, si on veut le salut de l'Allemagne, il faut revenir aux strictes sources germaniques du peuple allemand, qui donc sont totalement en marge du monde romain, et peut-être même le monde romain et l'influence romaine, par exemple, sur le droit, auraient profondément corrompu ce qu'étaient les peuples germaniques originels.
versus d'autres, dont Georg et Kantorowicz, qui ont une vision beaucoup plus englobante de la culture européenne et où voient le monde romain comme ce qui aurait fécondé un peu le monde germanique ou lui aurait donné un nouveau. Donner une deuxième jambe finalement à la culture allemande. Et Frédéric II incarne parfaitement cela. Alors il a évidemment une très grande activité militaire jusque dans les expéditions au Moyen-Orient. Il a une activité de fondateur d'université, de codification du droit. Il a une activité de presque de créateur d'État. L'idée sur laquelle on reviendra avec les deux corps du roi, qu'il y a un État qui a une existence indépendante, qui a une personne propre, eh bien, née en grande partie, en partie en tout cas sous le règne de Frédéric II, ou en tout cas chez d'autres souverains à la même époque. Donc il y a quantité de thèmes très importants qui se nouent dans cette biographie et qui font écho à des préoccupations très profondes de l'époque de Georg. Si on devait en retenir qu'un trait uniquement, je pense que c'est ce trait de ce thème de l'empereur caché, du créateur qui surgit de nulle part pour redonner forme à un monde qui n'en avait plus ou beaucoup moins, est très important. Et est-ce que Kantorowicz a été un des premiers à faire ressortir cette figure de Frédéric II de Hohenstaufen au début du XXe siècle, car il me semble qu'à l'époque, quand on parlait de Frédéric II, tout simplement, ou de Frédéric le Grand, on a plutôt tendance à penser à Frédéric II de Prusse. Est-ce que c'est Kantorowicz qui a vraiment fait ressortir cette figure, ou il y avait déjà d'autres auteurs avant lui? Alors, très bonne question. Il y avait, semble-t-il, à l'époque, absolument aucune biographie de Frédéric II Hohenstaufen. Donc c'est vraiment la première biographie de Frédéric II. Néanmoins, le personnage lui-même était déjà cité un peu comme modèle à la fois chez Nietzsche et chez Georg, mais de manière très, très rapide, très sommaire. Donc je pense que beaucoup savaient qu'il y avait là un modèle à redécouvrir, mais il n'avait pas encore été redécouvert profondément puisqu'il n'existait pas de biographie. Et donc de ce point de vue-là, Kantorowicz fait aussi œuvre d'historien de manière très, très profonde, au sens réellement propre du terme, où il va effectivement mettre au jour quantité de sources, de manuscrits, de sources originales qui avaient été perdues de vue, qui avaient été oubliées, pour les décrypter, les lire en latin ou dans d'autres langues, et puis les interpréter et effectivement en faire sortir ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus fort pour en tirer cette biographie très puissante. Oui, Frédéric II avait été appelé en son temps Stupor Mundi, la stupeur du monde. Qu'est-ce qui faisait le caractère quelque peu scandaleux de cette figure? Il y a évidemment beaucoup de choses. C'est évidemment quelqu'un qui s'affirme là où on ne l'attend pas. Il est empereur, donc déjà il vient, on l'a dit, d'un monde relativement marginal qui est la Sicile. Il n'est pas et puis à une époque où les papes sont assez puissants et il va s'affirmer en opposition assez frontale avec la puissance du pape. Il va vouloir réaffirmer un empire des universités, toute une culture relativement indépendante du monde du pape. Il va être excommunié deux fois. Donc c'est vraiment une figure très qui à la fois vient de nulle part et saisit l'Europe entière et presque le monde entier, puisqu'il a effectivement la dimension de il va se faire couronner à Jérusalem et à s'auto-couronner à Jérusalem, ce qui évidemment est assez scandaleux à l'époque, mais qui affirme sa très grande ambition européenne, ou en tout cas l'ordre qu'il entend instaurer. Il va créer des universités qui ont pour vocation de faire émerger toute une classe de savants hors de l'Église. Donc il va réellement avoir une énergie créatrice en matière culturelle, en matière juridique, en matière presque de rapport géopolitique, si l'on peut parler ainsi, qui est effectivement assez stupéfiante et qui à l'époque stupéfait évidemment beaucoup de monde par le génie créateur et la quantité de domaines dans lesquels il a pu créer en très peu de temps finalement. Oui, et le pape Grégoire IX le qualifiera même d'antéchrist, si je ne m'abuse.
Exactement, il y a un chapitre dans la biographie qui s'intitule L'Antéchrist, effectivement. Ouais. Et justement, à partir de à propos de ces relations conflictuelles entre l'empereur et le pape, est-ce qu'on peut dire que Kantorowicz développe déjà dans son ouvrage une certaine conception de la théologie politique, disons le mot déjà? Alors, ce qui est certain, c'est que quasiment tous les thèmes de l'œuvre à venir, de l'œuvre d'historien au sens strict, sont déjà en germe dans Frédéric II. Ce qui n'est d'ailleurs pas complètement évident, parce que dans la mesure où ce livre sur Frédéric II va être très admiré à l'époque, notamment par certains membres éminents du parti nazi et par beaucoup d'autres, et qu'il est très baigné de cette révolution conservatrice allemande, etc. Beaucoup par la suite ont voulu dire, en fait, il y a deux phases très très différentes dans la vie de Kantorowicz. Il y a ses dérives de jeunesse avec son Frédéric II, et puis il y a tout ce qui suit son exil aux États-Unis, qui là est réellement une œuvre respectable d'historien, etc. Et en fait, quand on lit vraiment les deux œuvres de manière cursive, même si c'est évidemment des œuvres extrêmement différentes, il y a pas, faut qu'on peut pas le nier, mais sur les thèmes sont extrêmement similaires. Quasiment tous les thèmes de l'œuvre à venir, les thèmes des rapports entre le théologique et le politique, donc la théologie politique, et notamment comment est-ce que des conceptions issues du monde théologique chrétien infuse progressivement le monde politique, et comment la modernité politique se fonde sur de la réinterprétation de concepts chrétiens, c'est déjà présent dans le Frédéric II. Tout ce qui touche aux acclamations des souverains, mais acclamations héritées des acclamations divines, est également dans le Frédéric II. Tout ce qui touche à la mise en scène du pouvoir royal ou impérial est également dans le Frédéric II. Donc il y a ces deux œuvres évidemment extrêmement différentes, mais en même temps il y a des ponts tout à fait nets et qui annoncent beaucoup des thèmes de l'œuvre à venir. Tu viens de mentionner l'intérêt qu'avaient les hauts cadres du Parti national-socialiste pour le Frédéric II de Kantorowicz. Quels sont ses rapports avec ce parti? Car bon, on le dira un peu après, Kantorowicz devra s'exiler aux États-Unis, mais sa biographie fut néanmoins, dit-on, le livre de chevet de bien d'Hitler. Il a été très lu par Göring, par Himmler. Est-ce que Kantorowicz fut un juif nazi, comme on l'a parfois écrit? Alors effectivement, il y a un historien, Norman Cantor, qui a pu écrire cela. C'est assez ridicule, ou en tout cas extrêmement réducteur. Les faits sont les suivants. Donc effectivement, le Frédéric II paraît en 1927. Très vite, c'est un très grand succès de librairie. Il est maintes fois réimprimé. Et beaucoup le lisent, y compris des futurs dignitaires du parti nazi, notamment parce que eux sont très enthousiastes à l'idée de l'appel à un nouvel empereur. Alors eux, évidemment, pensent que le nouvel empereur sera Hitler. C'est pas du tout le cas de Kantorowicz. Bon, Kantorowicz, à la suite de cette publication, a pour la première fois un poste universitaire à l'université de Francfort. Et en fait, qui devra abandonner très rapidement dès l'arrivée au pouvoir des nazis. Donc, les étudiants nazis font pression pour qu'il soit suspendu très vite. Donc, en fait, il n'aura enseigné que très peu de semestres à l'université. Donc, pendant assez longtemps, il reste payé par l'université, mais sans enseigner. Et puis, la situation dure. Sans réel changement jusqu'en 1938, date à laquelle il est forcé de s'exiler aux États-Unis. Bon. Ceci dit, il n'y a aucun élément qui permette, il n'y a aucune réellement de voir de compromission quelconque de Kantorowicz avec le régime nazi, si ce n'est qu'il n'y a pas d'éléments contraires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on ne retrouve pas en 1933 ou 34 de diatribes très virulentes envers les dirigeants de l'Allemagne à l'époque, mais il n'y a pas non plus
d'affinités particulières. Il y a, je crois, une situation où on a quelqu'un qui est un intellectuel très libre, qui veut avant tout poursuivre son œuvre de savant et d'écrivain, et qui finalement se mêle assez peu à la politique de l'époque. Et est-ce que cela a entaché la réception de son livre par les intellectuels et les universitaires de l'époque et d'aujourd'hui surtout? Comment est-ce que le Frédéric II est aujourd'hui perçu par les universitaires, les médiévistes? Alors c'est un livre qui met toujours mal à l'aise beaucoup de personnes, qui à l'époque a été lu et commenté par les plus grands, hein, qui à l'époque est lu par, dès sa sortie en allemand par quelqu'un comme Marc Bloch et par beaucoup d'autres, qui l'admirent tout en voyant bien que ce n'est pas un ouvrage purement universitaire. Évidemment, comme on le dit, il y a une dimension mythologique dans ce livre très profonde. Bon. Autant les deux corps du roi aujourd'hui sont, je crois, très unanimement salués comme un grand classique et personne réellement ne nie cela, autant le Frédéric II continue à mettre mal à l'aise beaucoup de monde. Et depuis lors, beaucoup de biographies de Frédéric II ont été réécrites, qui prennent toutes plus ou moins leur distance avec Kantorowicz, en reconnaissant à la fois un ouvrage fondateur et très important, mais qui toujours met mal à l'aise parce que bah, précisément, il y a cet appel au nouvel empereur. À une époque où on a aujourd'hui beaucoup de mal, je crois, à comprendre de manière un peu objective les années 20, enfin l'entre-deux-guerres, parce qu'on la lit à l'aune de ce qui vient par la suite, alors qu'évidemment, dans l'esprit de Kantorowicz, ça ne pouvait pas être ainsi. Et Kantorowicz lui-même sera en partie mal à l'aise avec le Frédéric II après la Deuxième Guerre mondiale. Il sera assez réticent à ce qu'il soit réédité. Je crois surtout pour éviter les incompréhensions et les accusations un peu infondées. D'accord, je vois. Donc lui-même, mais il ne s'est pas opposé à la réédition. Non, il s'est pas opposé à la réédition. Semble-t-il, et là je parle au conditionnel parce que les éléments sont très limités, qu'il avait envisagé de peut-être en réécrire des morceaux pour lever des ambiguïtés, et en fait il y a renoncé très vite. Parce que ça aurait été un travail beaucoup trop important. Donc les éditions parues après-guerre sont les mêmes que celles qui sont parues avant-guerre, mais Kantorowicz était un petit peu, n'était pas forcément enthousiaste à l'idée de rééditer cela. Il s'y est pas opposé, mais il était réellement passé à autre chose. Et l'œuvre qui suit son exil aux États-Unis, là, est une œuvre qui devient beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique, et qui a en fait peu à voir du point de vue de la forme, en tout cas, même s'il y a beaucoup à voir du point de vue des thèmes avec le Frédéric II. D'accord, je vois. Bon, eh bien, je propose que maintenant nous passions à la seconde partie de cet entretien, car l'heure tourne malheureusement, donc pour que nous nous orientons vers la seconde grande œuvre de Kantorowicz, les deux corps du roi. Mais avant cela, j'aimerais que nous revenions sur sa vie, sur le point biographique, donc sur sa situation à la fin des années 30 et sur son exil aux États-Unis. Donc malgré ses états de service indéniables dans l'armée allemande et dans les corps francs contre les communistes, on en a parlé au début, Kantorowicz sera contraint à l'exil. Alors il écrira ceci qui montre quand même que Kantorowicz a été surpris de cette hostilité à son égard. Il écrit ceci: « Il me semblait que moi, je ne puisse m'attendre à être dépouillé de ma charge en raison de mon ascendance juive. » Il me semblait que par les écrits que j'ai publiés sur l'empereur Frédéric de Hohenstaufen, je n'aurais pas besoin de garantie, ni passée ni présente, pour attester de mes sentiments en faveur d'une Allemagne réorientée dans un sens national. Donc ce qui lui arrive a l'air de le surprendre en quelque sorte. Oui, et c'est pour ça qu'en fait il part très tard parce que beaucoup des Juifs qui s'exilent sous l'Allemagne nazie ne le font pas en 1938, le font beaucoup beaucoup plus tôt. Et c'est d'ailleurs un élément qui parfois a été retenu entre guillemets à charge contre lui après-guerre en disant mais en fait il est parti très tard par rapport à beaucoup d'autres. Et Kantorowicz effectivement avait du mal à comprendre qu'on le prive de son enseignement. Ou par la suite de ses émoluments, parce qu'il disait fondamentalement, j'ai été nationaliste, j'ai produit des œuvres qui ont nourri toute la mouvance nationaliste, notamment le Frédéric II, et puis c'était attesté en plus par des actes dans les corps francs, donc c'était assez irréfutable. Néanmoins, la situation est devenue beaucoup trop dure pour lui à un moment donné,
sans espoir de solution, sans espoir de retrouver un poste universitaire. Et donc, c'est là qu'il part aux États-Unis et où, pour la première fois, il éprouve relativement des difficultés matérielles, puisque au début, il lui faut chercher du travail. Donc, il a des recommandations. Il va très vite dans différentes grandes universités américaines faire des conférences. Et puis, finalement, il finit par avoir un poste temporaire à l'université de Berkeley en Californie. Mais la situation reste pendant assez longtemps précaire, puisque c'est des contrats d'un an et que chaque année, il doit se battre pour renouveler son contrat. Tout ça dure plusieurs années avant de stabiliser sa situation aux États-Unis. Je ne sais pas si tu sais répondre à cette question, mais cela m'intéresse. Est-ce que tu sais quel sera son rapport à son pays natal, à l'Allemagne, après la guerre? Est-ce qu'il en gardera la nostalgie ou, au contraire, il sera assez amer? Il aura un rapport beaucoup plus distant et très désabusé. C'est-à-dire qu'autant il a été un très fervent nationaliste allemand pendant très longtemps, et par contraste très anti-français, par exemple, pendant ses jeunes années, autant après son exil, il sera extrêmement désabusé parce que son pays est devenu, par l'état de, évidemment, par ce qui va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, il aura, je crois, une réelle volonté de ne plus tellement y retourner, de ne plus tellement en parler et de rompre un peu avec son passé. En tout cas, il aura un rapport très malaisé avec l'Allemagne après son exil et encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Et même dans ses centres d'intérêt, après la Deuxième Guerre mondiale, il ne s'intéresse quasiment plus à l'histoire de l'Allemagne. Il s'intéresse beaucoup plus à l'histoire de l'Angleterre, par exemple, dans les deux corps du roi. Donc non, il gardera un rapport assez mal à l'aise avec l'Allemagne. Et il s'exprimera assez peu à ce sujet. Très peu. De manière générale, il y a peu d'écrits personnels de Kantorowicz. C'était quelqu'un qui avait à la fois une très grande originalité, mais une très grande pudeur, quelque chose qui en témoigne dans ses instructions à sa mort. Il voulait qu'on brûle l'intégralité de ses archives, de ses papiers, de sa correspondance, absolument tout, consigne qui ne sera pas exécutée ou très marginalement, ce qui fait qu'on a beaucoup d'éléments pour mieux le comprendre, éléments qui ont d'ailleurs été exploités. Il y a une très grosse biographie de Robert Lerner, historien américain, sur Kantorowicz, qui a pu étudier tout cela, mais Kantorowicz était peu porté à parler de choses personnelles, donc il a évoqué épisodiquement tout cela, mais sans réellement y revenir très souvent. D'accord. Et donc, tu dis qu'après son exil, il se désintéressera peu à peu donc, de l'histoire de l'Allemagne. Est-ce que cela veut dire la seconde partie de son œuvre se marque par une plus grande ouverture sur le monde intellectuel anglais ou anglo-saxon? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que au tout début de son arrivée aux États-Unis, dans l'espoir d'être recruté dans différentes universités américaines, il donne des conférences à droite et à gauche. Et il y a dans ces conférences, donc là, il arrive évidemment d'Allemagne, mais il a déjà des thèses extrêmement nouvelles sur certains sujets, et ces thèses vont réellement être les fondements sur lesquels les deux corps du roi, donc son grand livre, vont pouvoir naître. Et notamment, il y a une conférence absolument centrale dont il faudra dire un mot, qui est sa conférence sur ce qu'il appelle le sentiment du temps au Moyen-Âge, dont qu'il faudra résumer, même en deux minutes, mais qu'il faudra résumer, qui je crois est vraiment très, très fondamental. Et à l'époque, Kantorowicz, réellement son grand centre d'intérêt, qui en fait va nourrir quasiment tout le reste de son œuvre, c'est d'essayer de comprendre la genèse de l'État moderne et les différences de nature extrêmement profondes entre le monde féodal et le monde moderne, et comment notamment les concepts juridiques, philosophiques, les représentations qui baignent l'État moderne sont profondément différentes des représentations juridiques ou sociologiques ou même théologiques qui pouvaient baigner le monde antique. Kantorowicz voit que naissent au Moyen-Âge, sous l'influence de la religion chrétienne,
des représentations qui sont radicalement nouvelles dans l'histoire intellectuelle et politique du monde européen. Et c'est cette singularité dans les représentations qui veut essayer de saisir, qui commence à saisir avec sa grande conférence sur le temps, et puis qui développera après, en relisant énormément toute l'histoire juridique, notamment de l'Angleterre, mais en ce faisant, il mettra réellement au jour des grands principes, des grandes idées qui permettent de comprendre non pas seulement l'Angleterre, mais quasiment tout le monde européen moderne de manière extrêmement profonde, extrêmement renouvelée. Et parlant de cette conférence sur le temps, alors une conférence qu'il donnera à Harvard, si je ne me trompe, conférence sur l'opposition entre le tempus et l'eternitas chez Saint-Augustin et sur l'émergence de l'aeum, donc une permanence qui est distincte de l'éternité divine au Moyen-Âge. Est-ce que tu peux donc résumer la thèse de cette conférence ? Tout à fait. Alors peut-être avant cela, un tout petit mot pour bien comprendre le cadre intellectuel dans lequel on se situe. La toile de fond de toute l'œuvre qui va venir et des deux corps du roi est la suivante. Dans le monde féodal, comme d'ailleurs dans le monde antique dans une large mesure, toutes les relations, l'essentiel des relations étaient des relations personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le roi était roi en vertu de son appartenance à telle lignée, à telle famille, à tel peuple. Bon. Donc, il y avait toujours un lien entre la fonction politique et une appartenance concrète, personnelle, communautaire, bon, dans une lignée, dans un peuple, etc. Dans le monde féodal encore, par exemple, il n'y a pas réellement de fonctionnaires. Il n'y a que des personnes qui tiennent des charges personnellement d'un pouvoir royal ou d'un suzerain. On a telle charge publique parce qu'on la tient personnellement d'un acte, d'un serment de quelqu'un de supérieur qui nous a donné cette charge. Bon. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, un fonctionnaire n'est pas fonctionnaire parce que Jacques Chirac ou François Mitterrand les a nommés il y a 30 ou 40 ans. Bon. C'est complètement différent. Bon. Et on pourrait évidemment prolonger, et on en reparlera peut-être après. Bon. Et évidemment, l'État moderne va être un État qui va s'affirmer de manière impersonnelle, qui va dire la France, comme État, par exemple, existe indépendamment de tout souverain particulier. Il y a un pouvoir public français qui va exister indépendamment de la vie ou de la mort de tel ou tel roi particulier. Donc, il y a une forme de continuité à travers le temps, de permanence à travers le temps, qui existe indépendamment de toute personne, voire peut-être même de tout peuple particulier. Donc, une forme d'abstraction de l'État, de permanence de l'État, d'impersonnalité de l'État qui existe quoi qu'il arrive. Bon. Et ça est complètement nouveau. Dans le monde féodal, quand un roi meurt, eh bien, s'ouvre une période d'interrègne, d'incertitude, où on a l'idée justement que quelque chose est temporairement rompu et que le fil n'est réellement renoué que lorsqu'un nouveau souverain est couronné, par exemple. Bon. De même, quand une personne, par exemple, qui est titulaire d'une charge meurt, eh bien, cette charge retourne temporairement au roi ou au suzerain, et puis la continuité ne revient que quand le roi n'a reconféré cette charge de manière personnelle à quelqu'un d'autre. Donc, on a d'un côté un monde de relations personnelles, et de l'autre côté, un monde d'institutions dont les deux grandes caractéristiques aux yeux de Kantorowicz sont qu'elles sont impersonnelles, donc elles peuvent exister indépendamment des personnes et des peuples, et permanentes. Il n'y a pas de remise. La France ne cessera pas d'exister. Si demain Macron meurt, la France continuera à exister. Et c'est pareil, évidemment, quand le roi de France mourrait. Bon. Et ça, c'est profondément nouveau. Et Kantorowicz essaie de comprendre les changements de représentation qui mènent de ce monde féodal à ce monde moderne, et pour cela il faut se représenter, enfin bien comprendre que de nouvelles manières de penser qui n'existaient pas dans le monde antique et qui n'existaient pas dans le monde féodal premier ont dû à un moment donné émerger.
Et Kantorowicz voit, et ça c'est assez génial, que un élément central dans ce changement, dans cette évolution des représentations modernes, c'est un nouveau rapport au temps. Parce qu'évidemment, il s'agit de penser la permanence d'une institution terrestre par-delà, eh bien, la mort des souverains particuliers ou par-delà les changements particuliers de personnes au fil du temps. Bon. Et qu'est-ce que nous dit Kantorowicz? Kantorowicz nous dit, dans la pensée médiévale centrale, dirons-nous, issue par exemple de Saint-Augustin, on a deux grandes manières de penser le temps. Tempus, qui est le temps terrestre, le temps des hommes, et qui est un temps qui est nécessairement fini, qui est un temps qui corrompt, qui est un temps qui abîme. Et quand tempus passe, eh bien, les choses se corrodent un peu, s'abîment un peu, et ne restent jamais les mêmes. Bon, on peut construire des édifices, mais ils s'érodent et un jour ils reviendront poussière. Et donc dans le tempus des hommes, eh bien, rien ne peut être permanent. Il n'y a que du temporaire, si l'on peut dire. Et à l'inverse, la seule chose qui est permanente ou éternelle dans le monde médiéval classique ou dans les représentations médiévales classiques, c'est l'éternitas. Et l'éternitas n'est pas une propriété qui est accessible aux hommes. C'est une propriété divine. Dieu est éternel et le monde divin est éternel. Bon, il ne s'altère pas, il ne se corrode pas, il ne se fissure pas, il ne devient pas poussière au fil du temps. Il est proprement éternel. Bon. Et jusqu'à présent, donc, on pensait que tout ce que les hommes faisaient, ce que les hommes construisaient, pouvait évidemment être très grand, mais était condamné à l'impermanence, au temporaire. Et voilà. Et le XIIIe siècle va penser un troisième concept du temps qui est profondément nouveau et qui va permettre de penser un intermédiaire entre le tempus et l'aeternitas, qui est un temps qui soit à la fois terrestre, accessible aux hommes, et qui en même temps est cette propriété de l'éternité qui n'appartenait jusqu'alors qu'aux dieux. Et ça va être ce concept d'aevum. L'aevum qui est, en tout cas, dans les débats théologiques de l'époque associés aux anges, qui sont évidemment intermédiaires entre les hommes et les dieux, l'aevum, ce concept du temps, va permettre de penser à un temps qui soit à la fois terrestre et permanent. Peut-être pas éternel au sens divin, mais permanent. Et donc, dès lors qu'on va penser que certaines institutions terrestres ne sont plus condamnées à dépérir ou à progressivement se fissurer, devenir poussière, eh bien on va pouvoir penser des entités qui vont exister de manière permanente, et ça va être notamment la manière dont on va arriver progressivement à penser les états. La caractéristique de l'état moderne, c'est qu'il est permanent et qu'il va exister indépendamment des hommes particuliers. Et peut-être même à terme des peuples particuliers. Bon. Si je veux revenir sur une dernière remarque politique, pendant très longtemps, on disait du roi qu'il était roi des Francs. Et donc, on rattache le roi à un peuple particulier, donc à une conception presque ethnique du pouvoir. Et au XIIIe siècle, justement, on va commencer à dire que le roi n'est pas roi des Francs, mais roi de France. Et donc, il n'est plus roi d'un peuple charnel particulier, mais il est roi d'une nouvelle entité qu'on va penser de manière beaucoup plus abstraite, qui est la France, qui potentiellement, évidemment, même si à l'époque on n'en est pas encore là, pourrait exister indépendamment des Francs. Bon. Et ce qui, évidemment, a des échos très contemporains, où on pourrait dire que ben, peut-être que dans un siècle, ou dans quelques décennies, la France pourrait toujours nominalement exister, même s'il n'y a plus aucun Français de souche. Bon. Et donc on voit que pour que ce changement-là soit possible, il faut qu'on soit arrivé entre-temps à penser des institutions qui puissent exister de manière permanente et impersonnelle. Et Kantorowicz voit très bien la naissance de tout cela dans ce changement, dans cette révolution du sentiment du temps au Moyen Âge. Et qu'est-ce qui a provoqué, selon lui, dans cette conférence, ce basculement de cette représentation du temps? Est-ce qu'il y a un événement majeur qui a produit cela? Est-ce que c'est une laïcisation de certaines idées chrétiennes? Enfin, comment est-ce que ça se configure?
Alors, je crois qu'effectivement, l'idée générale, c'est que, et c'est évidemment le cœur de la théologie politique, c'est qu'il y a sur le temps long une laïcisation de la théologie chrétienne et que en fait, la théologie a introduit dans le domaine des idées des concepts profondément nouveaux qui par la suite vont être réappropriés par les États en formation et notamment par les légistes ou les juristes qui accompagnent la naissance des États en formation. Bon. Et ça, on peut le comprendre de manière assez directe. C'est évidemment un processus extrêmement complexe et que quand on revient, tu analyses extrêmement finement. Mais si l'on veut penser la première institution qui est entre le domaine terrestre et le domaine religieux et qui se pense de manière permanente, c'est évidemment l'Église elle-même. Dans les représentations de l'Église, on traite enfin, assez tôt et de plus en plus au fur et à mesure que le pouvoir du pape s'affirme, et il s'affirme encore beaucoup plus, notamment au lendemain de la réforme grégorienne et à partir par exemple du XIe siècle, eh bien, il y a l'idée que l'Église est une institution qui a une existence terrestre permanente et qui existe par-delà les papes particuliers ou les évêques particuliers. Bon. Et donc ça, c'est très important. C'est on a avec l'Église, peut-être pour la première fois, une institution qui se pense comme permanente et impersonnelle, puisque son existence ne dépend plus de tel pape ou évêque particulier. Et ça, c'est quelque chose qui fascinera beaucoup les légistes à partir notamment du XIIe siècle, encore plus du XIIIe siècle. Qui vont, d'ailleurs, beaucoup de légistes royaux à l'époque vont et Kantorowicz a plusieurs articles très fondateurs là-dessus, se définir comme prêtre de l'État ou prêtre de la justice, par exemple. Et il y a cette analogie très forte entre un corpus théologique au service de l'entité impersonnelle qu'est l'Église versus un corps de légistes au service de cette entité impersonnelle qu'est l'État en formation. Et plus évidemment les siècles passent, plus cette opposition entre le théologique et le politique va s'affirmer. Mais on a bien un passage de conception initialement théologique vers des conceptions beaucoup plus politiques. Oui, c'est la fameuse phrase de Carl Schmitt, qui est souvent citée quand il est question de théologie politique. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Donc là, c'est cette idée que le corps mystique du Christ, qui est l'Église en quelque sorte, eh bien, cette idée laïcisée en vient à être utilisée pour comprendre l'existence des États séculiers. Exactement, exactement. Et c'est vrai que alors j'ai dans l'ouvrage un bref chapitre d'analogie entre Schmitt et Kantorowicz, avec, si on peut en parler maintenant d'un mot, ce paradoxe absolument central que les deux hommes, évidemment, parlent de théologie politique. Le grand livre de Schmitt sur le sujet date de 1922. Les deux hommes sont presque exactement contemporains, donc ils n'ont pas pu s'ignorer. Et pourtant, Kantorowicz ne cite jamais Schmitt, Schmitt ne cite jamais Kantorowicz. Les deux parlent très fondamentalement de théologie politique, avec des perspectives assez différentes d'ailleurs. Chez Kantorowicz, ce qui est très fondamental, c'est de dire l'État moderne a repris de Dieu l'idée de permanence, donc la continuité dans le temps. Et l'idée, avant tout l'idée de continuité, de permanence ininterrompue, là où Schmitt dira plutôt les grandes idées divines reprises dans le monde politique moderne, c'est par exemple le miracle divin qui vient rompre l'ordre normal pour justement accomplir un miracle et qui dans le monde politique devient la décision souveraine qui vient éventuellement bouleverser un ordre, tout le rôle de la décision, de l'exception, etc. chez Schmitt. Donc les deux hommes ont une théologie politique assez différente, d'ailleurs à mes yeux assez complémentaire, mais pour autant semblent s'être en partie ignorées. Et l'hypothèse que je fais dans l'ouvrage et qui me semble assez intéressante, et peut-être en partie nouvelle, je ne sais pas trop, c'est que les deux hommes, presque exacts contemporains,
et qui naissent intellectuellement réellement dans l'Allemagne de Weimar, donc état, on l'a dit, d'extrême décadence ou affaiblissement de l'Allemagne, tous deux cherchent à réfléchir à la question de qu'est-ce qui peut conférer une sacralité au pouvoir politique, une verticalité au pouvoir politique, et que beaucoup, à mon avis, des débats sur la théologie politique peuvent se lire sous le prisme de la situation dans laquelle ces débats sont nés, finalement. Oui, cela paraît assez convaincant, mais comment est-ce que tu expliquerais leur silence mutuel? Alors, malheureusement, j'ai pas réellement d'hypothèse sur le sujet. C'est évidemment hautement improbable qu'ils se soient ignorés mutuellement, parce que les deux hommes sont à la fois tous deux allemands, presque contemporains. Évidemment, ils viennent de disciplines différentes. Schmitt vient beaucoup plus du droit et Kantorowicz de l'histoire, mais néanmoins, tous les deux sont des esprits assez encyclopédiques et qui ont lu bien au-delà de leur discipline. Donc, malheureusement, pour moi, c'est une des énigmes qui reste ouverte. Et je ne crois pas qu'il existe d'études universitaires poussées sur les rapports entre Schmitt et Kantorowicz. Donc, j'espère qu'un jour, il y aura des éléments nouveaux pour répondre à cette question-là. En l'état actuel de méconnaissance et je pense des connaissances plus générales, je crois malheureusement qu'on n'ait pas beaucoup d'éléments pour y répondre. Oui, c'est assez malheureux, mais ce serait heureux en effet qu'une telle étude paraisse un jour. Toutefois, je suis d'accord avec toi quand tu dis que leurs perspectives ne sont pas forcément contradictoires, qu'elles sont même assez fortement complémentaires. À une petite réserve près, c'est qu'il me semble quand même que Kantorowicz insiste énormément sur le processus d'impersonnalisation de l'État qui est croissant selon lui à travers les siècles. Alors que Schmitt, lui, insiste plutôt, comme tu l'as dit, sur la décision et donc sur un rapport assez personnel du pouvoir au fond. C'est vrai. Et je crois effectivement que les théologies politiques de l'un et de l'autre sont très complémentaires mais très différentes. Donc c'est vrai que Kantorowicz, j'ai dit, c'est plus la continuité, la permanence. Là où Schmitt dit le souverain, c'est plutôt celui qui a la capacité à rompre une permanence. Donc c'est plutôt l'inverse. Et effectivement, sur cette deuxième grande dimension de l'État où Kantorowicz dit l'État moderne est avant tout un être impersonnel, finalement un peu le plus froid des monstres froids, comme dirait Nietzsche, ou quelqu'un qui. Enfin, l'État existe indépendamment de toute personne particulière. Schmitt a une vision beaucoup plus personnelle et dit, même si cette dimension-là existe, il y a quand même toujours quelqu'un derrière l'État pour décider. Et donc c'est vrai que c'est des visions très différentes quand même sur la théologie politique, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, reprenons l'examen donc de l'avis de Kantorowicz jusqu'à l'élaboration des deux corps du roi. Tu as parlé de cette grande conférence à Harvard, conférence qu'il avait prononcée en quelle année d'ailleurs? On doit être en 1940 de mémoire. 1940, d'accord. Ensuite, avant d'écrire son grand ouvrage, Kantorowicz, si je ne m'abuse, est en train d'écrire un autre texte qui s'intitule les Laudes Regiae, qui constitue une sorte d'étape intermédiaire entre le Frédéric II et les deux corps du roi. Il analyse l'évolution des formules liturgiques et leur signification à travers l'histoire. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Oui, alors c'est un ouvrage effectivement intermédiaire entre ces deux grandes œuvres. C'est un ouvrage qui est traduit en français, donc qui se trouve, disons-le très clairement, est d'un accès extraordinairement complexe. C'est vraiment une étude de la liturgie médiévale, donc des textes notamment de prières et notamment spécifiquement des laudes, et notamment d'une formule particulière. Qui est la suivante, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Sur le Christ vainqueur, le Christ qui règne et le Christ empereur, si vous voulez, qui était une formule classique des acclamations, ou en tout cas d'acclamations dans les messes, dans les laudes du Christ. Christus vincit, Christus regnat,
Kantorowicz note de manière très intéressante que cette formule est récurrente sur quantité de supports dans toute l'histoire médiévale et dans toute l'histoire européenne, depuis très tôt dans des prières, plus tard sur des monnaies, à d'autres époques dans des couronnements impériaux, et que c'est une formule qui glisse en fait progressivement du monde religieux au sens strict, d'une prière au Christ, si l'on veut, vers une acclamation de souverain, et que dans les couronnements, dans les acclamations de souverain, c'est une formule récurrente. Donc sur quasiment 1000 ans, on retrouve cette formule, donc Kantorowicz collecte ces très nombreuses occurrences dans de très nombreuses circonstances de cette formule liturgique, et nous dit finalement, elle reste quasiment inchangée sur plusieurs siècles, mais en étudiant les changements de contexte dans lesquels elle est prononcée, eh bien, on apprend énormément de choses sur les changements de rapport entre le religieux et le politique au fil du temps. Et on voit notamment comment, à un moment donné, les souverains des États en formation se réaccaparent des formules issues du monde liturgique pour célébrer leur propre grandeur, leur propre gloire, etc. Et donc, on est vraiment à nouveau au cœur de la théologie politique. Alors voilà, quand je dis ça, tout ça paraît, j'espère, relativement clair. Quand on va dans le détail du livre, c'est infiniment complexe et une œuvre qui, à la fois, est extrêmement fascinante et incroyablement complexe. Donc, on peut peut-être ajouter une dernière chose, qui est que c'est une œuvre qui, d'ailleurs, comme le Frédéric II, est méthodologiquement très nouvelle. Bon. Ce qu'on n'a pas dit au sujet du Frédéric II, qu'on aurait peut-être dû dire, c'est que à l'époque, Kantorowicz étudie énormément de sources, des sources liturgiques, mais aussi des monnaies, des rituels de couronnement, des procédures de cérémonies, etc., royales, et tout ça est en fait assez nouveau. Il y a chez Kantorowicz un précurseur de l'histoire des mentalités, qui est une discipline qui, évidemment, a explosé depuis lors. Mais à l'époque, l'idée, par exemple, de faire de l'histoire en étudiant la liturgie, en étudiant des mythes, en étudiant des monnaies, par exemple, tout ça est quasiment absent. Et c'est en grande partie Kantorowicz qui met ses sources à l'honneur et qui montre la puissance d'évocation et du message qu'on peut tirer de ces sources-là. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre cette façon qu'a Kantorowicz d'examiner les représentations du temps, de ces différentes époques, donc du temps, des formules liturgiques, avec la façon dont Werner Sombart examinait l'esprit de l'époque, l'esprit des différentes époques, le Geist, le Zeitgeist? Alors, je crois qu'il y a effectivement un rapport. Effectivement, c'était un thème central dont on avait parlé quand on avait parlé de Sombart, en disant que lui, ce qui l'intéressait, c'était non pas d'étudier des lois économiques universelles et intemporelles, mais de comprendre l'esprit de différents systèmes. Et Sombart nous disait notamment, pour comprendre l'esprit, par exemple, du capitalisme ou de l'économie médiévale, il faut en comprendre la totalité de l'esprit qui imprègne les hommes et toutes les représentations, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de très similaire chez Kantorowicz et chez plus généralement tous les auteurs qui étaient baignés du cercle de Stéphane Georg. Et donc effectivement, beaucoup de choses qui n'étaient pas considérées comme des sources avant Kantorowicz et avant quelques autres, évidemment, il n'est pas le seul dans ce mouvement-là, sont avec lui considérés comme des sources, de même que chez Sombart. Sombart peut parler du théâtre, de la Renaissance ou de l'architecture, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y voit des manifestations de l'esprit d'une époque, et donc ce n'est pas des matériaux qu'un économiste lambda va étudier du tout. Donc je crois qu'il y a effectivement un parallèle assez intéressant dans tout cela. D'accord. Alors, Kantorowicz, je ne pense pas que nous l'ayons dit, Kantorowicz a passé ses premières années aux États-Unis dans l'université de Berkeley en Californie, c'est bien ça ? Tout à fait. Il est à Berkeley, enfin son premier poste fixe, on va dire, est à Berkeley, et il y reste jusqu'au début du McCarthyisme qui le force à quitter Berkeley pour Princeton.
Tout à fait, car son exil hors d'Allemagne n'est pas la seule péripétie qu'il devra traverser. Après avoir connu l'exil, Kantorowicz en connaît de nouvelles avec le macartisme des années 50, et il refuse en effet de prononcer ce qu'on a appelé le serment de loyauté, ce qui lui vaudra quelques ennuis. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet événement qui, je pense, en dit long sur sa façon de voir les choses? Tout à fait. Alors, donc Kantorowicz donc est à Berkeley, qui, il faut le dire, parmi les, évidemment une des plus grandes universités aux États-Unis, mais qui est une université qui est détenue, enfin, une université de l'État californien, donc soumise au, qui n'est pas complètement indépendante comme peuvent l'être d'autres, mais qui est, qui dépend de l'État de Californie. Et évidemment, à la toute fin des années 40 et au début des années 50, commence le maccartisme, on va dire le fameux mur de fer tombe sur l'Europe, et puis à l'échelle du monde, eh bien, les États-Unis sont pris d'un très violent, presque une paranoïa anticommuniste. Donc, il y avait peut-être des éléments justifiés avec des affaires d'espionnage effectivement documentées, mais aussi avec des dimensions extrêmement paranoïaques où on va vouloir, par exemple, à Hollywood, systématiquement exclure tous les acteurs, tous les metteurs en scène, etc., qui auraient la moindre sympathie avec le communisme. Et ce mouvement-là touche, entre autres, les universités. Et l'État de Californie impose à tous les professeurs de ces établissements, dont notamment évidemment l'université de Berkeley, de signer un serment de loyauté qui, en gros, stipule qu'il ne doit pas avoir de sympathie avec le communisme, pas être membre d'un parti qui complote contre les États-Unis, etc. J'ai pas la formulation exacte en tête, mais c'est ça dans l'esprit. Et Kantorowicz refuse de signer. Alors évidemment, on pourrait se dire, est-ce qu'il est devenu communiste? Est-ce qu'il a des sympathies? Pas du tout. Je ne crois pas du tout. Alors c'est un sujet de débat, mais je pense fondamentalement que Kantorowicz, son refus de signer, ne s'appuie pas du tout sur quelconque sympathie. On sait, et d'ailleurs il le rappelle à l'époque, il dit, moi j'ai tué des communistes. Il le dit à certains amis à l'époque, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde à l'époque, notamment aux États-Unis. Bon. Parle évidemment de ses souvenirs dans les corps francs après après la Première Guerre mondiale. Néanmoins, et je crois qu'il a un côté très, très conservateur au sens européen du terme, c'est qu'il est très attaché aux libertés académiques dans lesquelles il voit peut-être le dernier résidu des libertés médiévales et l'idée que le monde universitaire obéit à certaines règles, une certaine liberté de l'esprit. Et ne doit pas se soumettre à des impératifs politiques du moment. Et je crois qu'en refusant de signer le serment de loyauté en Californie, à Berkeley, eh bien, il réaffirme une vision presque médiévale des libertés, notamment des libertés universitaires, qui à l'époque était menacée par le maccartisme, mais on pourrait évidemment faire le parallèle aujourd'hui où on va demander à des professeurs aux États-Unis de signer des chartes wokistes ou autres. Et à l'époque, on aurait publié un petit texte qui montre assez bien cette vision médiévale des libertés qu'il pouvait encore avoir à l'époque pour refuser cela. Oui, un petit texte qui s'intitule La question fondamentale, de Fundamental Issue. Tout à fait. Et donc effectivement, il va prononcer quelques discours, etc., évidemment sans avoir aucun gain de cause. Et donc il va être forcé de quitter l'université de Berkeley. Et heureusement pour lui, il va pas cette fois-ci avoir une situation défavorable puisqu'il va être presque immédiatement embauché à Princeton, qui donc est à nouveau une des très très grande et très prestigieuse université américaine, alors cette fois-ci sur la côte est des États-Unis, et c'est là-bas qu'il produira Les Deux Corps du Roi, en tout cas qu'il le publiera, et puis c'est là qu'il finira sa vie. Et donc c'est à cette époque, quand il est à Princeton, qu'il écrit sa seconde grande œuvre, Les Deux Corps du Roi. Alors, bon, le but évidemment de cette émission n'est pas de parler de cette œuvre de façon exhaustive, ce serait impossible, d'ailleurs il faudrait qu'on consacrer plusieurs œuvres,
plusieurs heures à cela. C'est un essai extrêmement volumineux, extrêmement dense. Mais est-ce que tu pourrais nous parler, tu en as déjà dit quelques mots, mais nous parler de la thèse centrale de cette œuvre afin de donner quelques clés de compréhension aux éditeurs? Alors oui, je crois qu'effectivement, disons qu'au niveau le plus général, c'est effectivement une œuvre qui va profondément bouleverser l'histoire de l'État en nous montrant bien justement comment un État qui historiquement était personnel et est toujours en menacé de disparition par des interrènes, par la disparition soit d'un peuple, soit d'un souverain, eh bien, vient à être pensé de manière permanente et impersonnelle. Bon. Et Kantorowicz le fait en prenant, ce qui est d'ailleurs une caractéristique de beaucoup de ses œuvres, en partant d'un détail en apparence relativement marginal sur lequel des générations d'historiens ont pu passer sans s'arrêter, pour le décrypter et montrer une vision du monde beaucoup plus vaste. Et ce point de détail, ou en tout cas de départ de Kantorowicz, c'est ce thème des deux corps du roi, qui évidemment n'est en partie qu'un prétexte à une œuvre beaucoup plus vaste, et qui est notamment la formule bien connue, mais en partie paradoxale, « Le roi est mort, vive le roi ». Bon, quand on dit « Le roi est mort, vive le roi », ou quand on dit, comme le font certains juristes médiévaux, que le roi a deux corps, donc là il parle, en tout cas dans les textes que décrypte Kantorowicz, du roi d'Angleterre, mais on a la même genre de dynamique en France ou ailleurs, quand on dit que le roi a deux corps, un corps mortel et un corps immortel, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien on veut dire fondamentalement qu'il y a un roi qui est une personne physique, une personne privée particulière, qui effectivement est mortel. Louis XIII ou Louis XIV, ou peu importe, sont mortels et effectivement sont morts. Mais quand ils sont morts, la royauté n'est pas morte. Il y a quelque chose qui a duré à travers eux et qui est la royauté avec un grand R, si l'on veut. Et donc, le roi est mort, vive le roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un roi physique qui meurt et il y a un roi non physique, non mortel, qui perdure, et c'est la royauté ou la couronne. Il y a évidemment différents termes dans différents pays pour le décrire, mais c'est l'idée générale. Et Kantorowicz, donc à nouveau, je me répète, mais c'est très important, dit cette idée-là d'une permanence impersonnelle qui dure même quand le souverain particulier meurt, c'est quelque chose qui naît en gros au XIIIe siècle, et qui est sans lequel l'État moderne ne pourrait pas exister. Avec d'ailleurs des conséquences extrêmement ambiguës. Ça permet à la fois effectivement l'État moderne, dans ce qu'il y a de plus grand à propos de l'État moderne, ça permet aussi que des États deviennent complètement abstraits, coupés des peuples particuliers, et ça permet aussi une vision extrêmement abstraite, distante, froide du pouvoir, qui est critiquable évidemment par beaucoup d'aspects. Et donc Kantorowicz retrace l'histoire des représentations qui ont mené à cette formule « le roi est mort, vive le roi » ou le roi est deux personnes », montre justement comment c'est la réinterprétation progressive par les légistes royaux de formules théologiques plus anciennes, et notamment l'idée que l'étude évidemment de la personne du Christ qui à la fois combine dans sa propre personne plusieurs natures différentes. Le Christ est à la fois mort sur la croix et en même temps il y a une permanence divine qui se manifeste à travers lui. Donc il analyse vraiment toutes les étapes de ce processus qui mène de représentations profondément théologiques, et les deux corps n'existaient que dans le domaine spirituel ou théologique, et comment ils sont venus à exister via l'action des légistes royaux dans le domaine politique. Bon. Et évidemment, tout cela permet de comprendre et d'éclairer quantité de caractéristiques de l'État moderne. Alors, je vais en citer une ou deux, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Un exemple auquel Kantorowicz s'est beaucoup intéressé, notamment dans un article, mais il en parle aussi dans les deux corps du roi, c'est par exemple l'idée de la naissance du fisc ou de l'impôt moderne. Bon. Dans un monde où le pouvoir restait purement personnel,
eh bien, il n'y avait pas de distinction très nette entre les caisses de l'État et les caisses du roi, entre le trésor particulier du roi et le trésor de l'État, parce que finalement, l'État étant avant tout une personne particulière ou une lignée particulière, il n'y avait pas lieu de distinguer. Avec la naissance de l'État moderne, naît un trésor royal qui est complètement différent du patrimoine privé du roi et qui appartient à l'État et pas du tout qui appartient au roi en tant que personne publique, mais pas au roi en tant que personne privée. De même, progressivement apparaît l'idée que, eh bien, il y a le roi en tant que personne privée a peut-être une certaine intimité, etc. Mais qu'en tant que personne publique, il doit exécuter beaucoup de cérémonies, se plier à des représentations, parce qu'il n'est pas que le roi comme individu, mais il est le roi comme incarnation de quelque chose d'impersonnel et de permanent qui est l'État. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque c'est des disciples de Kantorowicz qui, pour le coup, l'analyseront encore beaucoup mieux, mais que quelqu'un comme le Louis XIV est quasiment en représentation permanente. Ce qu'on voit quand on regarde Louis XIV, c'est jamais une personne privée, c'est toujours un être qui a une dimension publique et qui est en représentation en tant que porteur de la chose publique. Donc voilà, quelques thèmes qui se mêlent dans ce très grand livre. On pourrait évidemment en citer beaucoup d'autres. Oui, Kantorowicz revient, je crois, sur le fameux lever du roi de Louis XIV. Alors, il est pas directement dans les deux corps du roi. Le principal qui s'y intéresse, c'est son principal élève et disciple, Ralph Guisey, qui est notamment l'auteur d'un très très beau livre sur la mort des rois de France et les cérémonies funéraires, et notamment un rite particulier dans la mort des rois de France, qui est la pratique de l'effigie, où entre la mort d'un roi et le couronnement du nouveau roi, eh bien, il y avait une effigie du roi décédé qui participait à toutes les cérémonies publiques au même titre que l'ancien roi décédé, pour montrer justement la continuité du pouvoir royal par-delà la mort. Et donc, on pourrait dire que pour Kantorowicz, une des plus grandes nouveautés du christianisme serait, une des plus grandes nouveautés qu'aurait introduite le christianisme serait cette dissociation entre le politique et le théologique. Alors, je crois que ça, évidemment, ça y contribue d'une très grande manière. Et je crois plus concret, donc ça, c'est évidemment un niveau assez général. Et je crois qu'à un niveau plus particulier, c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui peuvent être à la fois terrestres et permanentes, en tout cas qui peuvent durer par-delà les hommes, par-delà les lignées, par-delà tous les attachements particuliers, et qui sont quand même permanentes. Bon. Et on voit, si on voulait faire écho, même si évidemment Kantorowicz ne fait pas ces échos-là, mais ça, je crois que ça fait écho à des débats très, très actuels aujourd'hui. Bon, si vous prenez la question de l'immigration, eh bien certains vont vous dire, le jour où il n'y a plus de Français de souche, la France sera morte. Ou le jour où l'Europe ne sera peuplée que d'immigrés africains, l'Europe n'existera plus, l'Europe sera morte. Bon. Et donc, ça veut bien dire que si, tant qu'on pense comme ça, on se dit que la France ou l'Europe ne sont pas des choses impermanentes et impersonnelles, qu'elles n'existent que tant qu'elle concerne un lien charnel avec des peuples particuliers ou des lignées particulières, etc., des personnes particulières. À l'inverse, beaucoup vont dire, ben non, la France sera toujours la France si 100% des Français ont été remplacés par des immigrés africains. Bon. Et quand on dit cela, eh bien, on voit qu'on est précisément dans le monde qu'a décrit Kantorowicz, où il peut exister des choses, par exemple la France ou l'Europe, qui vont continuer à exister, quand bien indépendamment d'absolument tout lien personnel, comme des choses purement abstraites qui naissent avec alors progressivement et qui s'affirment encore plus avec la modernité. Hein. Cela n'a certainement pas de rapport direct, mais cela me fait un peu penser à la
à la distinction que faisait Ludwig Klages dans son grand ouvrage, l'esprit comme antagoniste ou comme adversaire de la vie, un peu comme cette force d'abstraction qui nierait la réalité concrète et vitale. Kantorowicz parle de cette impersonnalisation qui au fond s'oppose directement à la vie concrète et charnelle des peuples européens. Oui, je crois que ça fait écho à beaucoup de thèmes. Encore une fois, si on veut revenir sur les jeunes années de Kantorowicz, sur la révolution conservatrice, où on a vu la critique de l'histoire abstraite et finalement déracinée. L'histoire moderne, scientifique, est une histoire qui presque est déracinée, qui est dévitalisée. Et bien, on a la même chose. Qui a été critiqué de manière très différente par beaucoup de courants intellectuels, dont Klages, dont beaucoup d'auteurs romantiques et dont beaucoup d'auteurs conservateurs également. Je crois que ça, il y a évidemment des liens discrets qui existent entre tout cela. Mais donc, d'une certaine manière, par cette thème et cette continuité, on voit que les deux corps du roi n'introduisent pas de rupture par rapport à son passé révolutionnaire conservateur. Je crois qu'en tout cas, les thèmes sont vraiment les mêmes. En tout cas, il y a peu de thèmes nouveaux dans les deux corps du roi qui n'étaient pas déjà là dans des œuvres antérieures sous des formes certes très différentes. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la méthode et le style qui, eux, sont vraiment nouveaux. Mais sur les thèmes, je crois qu'il y a peu de nouveaux. Ce qui est en revanche difficile à dire, c'est la position propre de Kantorowicz par rapport au mouvement qu'il décrit dans les deux corps du roi. Autant dans le Frédéric II, il a une position très claire par rapport à une vision de l'histoire et une critique justement d'une histoire dévitalisée, un peu hors sol, un peu trop abstraite, etc. Autant dans les deux corps du roi, qui est un ouvrage purement scientifique, en tout cas, je ne lis pas ni d'approbation de la dynamique historique qui mène aux états impersonnels, ni de condamnation. Je crois que c'est vraiment une étude purement historique de ce processus, sans qu'on puisse vraiment savoir où Kantorowicz se situe par rapport à cette dynamique-là. Oui, c'était une de mes questions. Donc Kantorowicz conserve une certaine distance par rapport à son sujet, en tout cas dans son œuvre. Exactement. En tout cas, sur ces articles de la période américaine et sur les deux corps du roi, on peut pas réellement dire qu'il approuve la dynamique moderne ou alors qu'il regrette une conception féodale et plus personnelle du pouvoir. Je crois que c'est assez impossible à dire. Durant toute cette période, il s'est fait strictement historien et rien d'autre. Hein. Et comment est-ce que ce livre a été reçu à sa publication par ses collègues? Alors, je crois que très vite, beaucoup comprennent que c'est un immense classique, que c'est appelé à devenir un très grand classique. Alors évidemment, certains ne le comprennent pas, il y a quand même des gens qui émettent des réserves en disant c'est un ouvrage assez touffu, assez complexe, et finalement, la thèse du livre n'apparaît jamais complètement résumée simplement en quelques paragraphes ou en quelques pages. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage, c'est d'essayer vraiment de donner des points d'entrée et des clés de lecture, parce que l'ouvrage lui-même facilite peu la tâche du lecteur, finalement. Et donc j'ai essayé de faire ce travail de synthèse que Kantorowicz aurait pu faire en introduction et qu'il n'a finalement jamais fait, ou en conclusion. Donc l'ouvrage est parfois vu comme difficile, mais beaucoup voient l'importance très importante qu'il est amené à avoir. Dans le monde anglo-saxon, il va très vite, c'est vu comme un ouvrage appelé à devenir très important. Ailleurs dans le monde, les traductions seront beaucoup plus tardives et quasiment dans tous les pays européens, les traductions ne viennent que 30 ans plus tard, à la fin des années 80 classiquement. Donc les deux corps paraissent en 57 et les traductions sont essentiellement dans les années 80, donc 30 ans plus tard. Et c'est à ce moment-là vraiment que le monde hors anglo-saxon et hors de ceux qui lisent l'anglais découvre réellement Kantorowicz. Très bien. Bien, nous nous dirigeons maintenant vers la fin. Est-ce que Kantorowicz a encore rédigé d'autres travaux après les deux corps du roi?
Quelques articles. Il y a des articles extrêmement techniques qui méritent pas forcément. Enfin là, qui sont vraiment des articles sur des points très techniques, donc qui méritent pas forcément la discussion ici. On peut aussi ajouter qu'il c'est une époque où il est bon, il meurt relativement jeune, hein, puisque donc il meurt en 63, donc il a 68 ans. Il était assez obsédé par la mort et l'idée de mourir jeune, etc. Enfin, et par le vieillissement, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant justement de voir que quelqu'un qui était autant obsédé par la permanence des institutions était aussi obsédé par le caractère mortel de la vie. Et donc, mais c'est des années aussi où il continue à voyager pas mal. Il est fait docteur honoris causa dans différentes universités, etc. Donc il est très reconnu. Il produit encore un petit peu, mais des ouvrages qui, pour le coup, ne sont pas du tout pour le grand public, hein. D'accord. Et quelle sera alors la postérité universitaire, si je puis dire, ou historiographique de Kantorowicz? Dans ton livre, tu mentionnes une école cérémonialiste. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots dessus? Oui, alors je crois qu'il y a deux types de postérité, principalement donc chez les historiens, où à la suite de Kantorowicz, beaucoup d'auteurs, et notamment son principal élève, qui est aussi, comme Kantorowicz, n'a jamais été marié et n'a jamais eu d'enfant, son exécuteur testamentaire, qui est Ralph Gieser, qui va devenir notamment un grand spécialiste des cérémonies funéraires des rois de France, donc des effigies royales à ce moment-là, et beaucoup d'autres auteurs dans cette école qu'on appelle cérémonialiste vont étudier les cérémonies royales et notamment comment est-ce que le pouvoir politique se met en scène finalement, étudier les rituels royaux, les rituels de couronnement, les rituels de décision, les rituels quotidiens, etc. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui vont étudier ça à la suite de Kantorowicz, étudier aussi beaucoup les représentations esthétiques, les représentations picturales. Kantorowicz était très proche d'historiens de l'art, comme Panofsky, très célèbre, où on étudie justement eh bien, toute la symbolique dans les représentations royales. Est-ce que ça dit de la sociologie de l'État presque? Donc il y a vraiment toujours ce souci de lier la dimension presque esthétique, picturale, de mise en scène, de représentation du pouvoir, avec une sociologie de l'État. Est-ce que ça dit des conceptions juridiques fondamentales, de la nature du pouvoir fondamental? Et donc beaucoup d'auteurs, aux États-Unis, mais bien ailleurs également, vont s'intéresser à tout cela à la suite de Kantorowicz. Bon, ça, c'est la première postérité. Et la deuxième postérité, je crois, c'est plus généralement en sciences politiques, même si Kantorowicz lui-même n'a jamais réellement ambitionné de parler avant tout aux chercheurs en sciences politiques. En France, quelqu'un comme Marcel Gauchet, par exemple, s'est beaucoup intéressé à Kantorowicz parce que je crois ben, que ça éclaire des traits très fondamentaux de la nature du politique ou de la nature de l'État. Et que beaucoup d'auteurs en sciences politiques ont beaucoup appris, justement en comprenant beaucoup mieux ces caractères à la fois impersonnels et permanents des États modernes, pour en retracer l'histoire, en comprendre la nature, etc. Et Marcel Gauchet a-t-il trouvé chez Kantorowicz des idées qui confortaient son intuition selon laquelle le christianisme est la religion de la sortie des religions? Effectivement, c'est intéressant. Gaucher s'est intéressé enfin en tout cas a écrit sur Kantorowicz. Je ne sais pas à quel moment il l'a lu, mais il s'est intéressé à Kantorowicz après avoir déjà publié ses écrits sur le christianisme comme religion, la sortie de la religion. Et je crois que ça effectivement ça le conforte beaucoup et ça permet d'affiner certaines des thèses de Gaucher en montrant bien justement ce rôle médian qu'a pu jouer le christianisme dans l'émergence de l'État moderne par les conceptions nouvelles, les représentations nouvelles que ça a livrées au pouvoir politique, aux légistes royaux, etc. Et dernière question pour clôturer ce sujet. Y a-t-il eu des réactions véhémentes contre Kantorowicz, enfin même pas forcément véhémentes, mais des études qui ont tenté de montrer que d'invalider la thèse de Kantorowicz? Alors, très peu. Il y a évidemment beaucoup d'auteurs qui ont pu critiquer tel ou tel point.
On a par exemple en France quelqu'un comme Alain Bourreau qui a écrit un livre qui s'appelle Le simple corps du roi, où il critique un peu l'importance que Kantorowicz a pu attribuer aux cérémonies royales et à l'idée que, finalement, pour le dire simplement, Kantorowicz a une vision très descendante du pouvoir politique, où il dit finalement le pouvoir se met en scène et c'est comme ça que les peuples le voient. Et alors que des auteurs comme Bourreau disent bah, finalement, la représentation doit aussi être acceptée et donc bah, plus faire une sociologie de la manière dont le bas peuple voit le pouvoir royal. Donc il y a eu des travaux complémentaires, on va dire, mais qui ne sont pas réellement en opposition frontale. Les seules réelles oppositions frontales sont pas venues sur la thèse des deux corps du roi, mais sont venues sur des accusations plus ou moins délirantes, notamment dans le livre de Norman Cantor que j'ai cité, d'une œuvre qui serait marquée par le nazisme, comme ce qui on l'a vu, est totalement absurde. Hein. Eh bien, écoute, Guillaume, merci, merci beaucoup pour cette émission que j'ai trouvée fort passionnante et j'espère que, enfin, je suis sûr que les auditeurs penseront de même. Pour conclure, est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques conseils de lecture pour accompagner les auditeurs dans la découverte de Kantorowicz? Alors, bien entendu, je les invite très chaudement à se procurer ton ouvrage. Je mettrai un lien en description de la vidéo pour qu'ils se le procurent s'ils le souhaitent. Mais en plus de cette introduction, il y a donc en français, je pense, quatre livres de Kantorowicz qui sont disponibles. Donc le Frédéric II, Les deux corps du roi, les Laudes Regiae dont tu as parlé, et un quatrième ouvrage dont nous n'avons pas parlé, Mourir pour la patrie. Ouais. Et même un cinquième. Alors, Mourir pour la patrie, qui est un livre qui avait été fait sous la direction de Pierre Legendre, qui est mort récemment, qui en fait est un recueil d'articles, un recueil de 4 ou 5 articles de mémoire très importants de Kantorowicz, sur notamment la question du fisc, la question du mourir pour la patrie, justement, comment est-ce qu'on vient à mourir pour quelque chose d'abstrait, alors qu'au Moyen Âge, on meurt en raison d'un serment personnel envers un seigneur, par exemple, etc. Donc, 4 articles très intéressants. Et il y a un petit texte, qui est un seul article, en fait, très technique, qui s'appelle Le lever du roi, qui est également traduit chez Bayard, je crois, de mémoire. Alors, quelques conseils. D'abord, effectivement, peut-être juste rappeler que le qui suis-je, j'ai voulu le faire aussi pour donner un point d'entrée dans l'œuvre de Kantorowicz, parce qu'il n'existe pas d'autres synthèses en français sur le sujet. Et donc, comme c'est une œuvre compliquée, je crois que c'est vraiment un bon point de départ. Ensuite, probablement, alors c'est évidemment des œuvres très différentes, mais le Frédéric II est évidemment une œuvre passionnante et qui est pour le coup lisible par n'importe qui. Et quant à ceux qui s'intéresseraient davantage à l'œuvre politique, donc à la deuxième moitié de l'œuvre de Kantorowicz, à l'œuvre vraiment d'historien et de philosophie politique, probablement qu'il est préférable de commencer par le volume qui s'appelle Mourir pour la patrie avant de lire Les deux corps du roi. Alors, c'est un recueil d'articles, tous ne sont pas aussi clairs, mais il y a dans ces articles-là vraiment des choses, des pages prodigieuses qui vont introduire progressivement au grand thème des deux corps du roi et qui seront, je crois, très utiles avant de lire Les deux corps du roi. Donc, peut-être le texte sur Mourir pour la patrie ou le texte qui s'appelle Christus Fiscus, également un texte sur les prêtres de la justice, donc les justes royaux qui se voulaient prêtres de la justice, qui introduisent beaucoup des thèmes importants et qui peut-être sont à lire avant de lire Les deux corps du roi. D'accord. Donc c'est deux Et textes. ajoutons enfin qu'il y a aussi une très grosse biographie américaine, mais traduite en français, de Robert Lerner, mais qui n'est que biographique et qui n'aborde pas du tout le contenu substantiel de l'œuvre, si l'on peut dire. D'accord. Eh bien, je pense qu'avec ça, la bibliothèque kantorowiczienne des auditeurs sera bien fournie. Guillaume, donc encore merci à toi pour cette émission.
Peut-être, si les auditeurs veulent suivre ton travail, es-tu actif sur certains réseaux sociaux, toi-même ou Alors, j'ai uniquement un ton compte association, Twitter, oui? un compte Twitter sur lequel les autres, qui est pas très actif, mais qui a le mérite d'exister. Et puis après, ben, j'invite les auditeurs notamment à acheter la revue Éléments tous les 2 mois, où ils me retrouvent à peu près à chaque fois. Et les auditeurs peuvent également te suivre sur Champ Commun, Tout à fait. tu as un canal Telegram et également un compte Twitter, je pense. Exactement, exactement. Très bien. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle réflexion cette émission vous a suscité chez vous. Je suis sûr que ça nous intéressera énormément tous les deux, Guillaume et moi. Donc je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.